Je serais chaud, moi, un jour, de faire de toute façon un stream de tier list, juste parce qu'à chaque fois, je dis on va faire une tier list de ça, on va faire une tier list de ci, et puis je n'en fais jamais, donc il faudrait faire un stream entier de 4 heures où on se fait une liste de toutes les tier lists à faire, et après on les fait toutes. Ça, ce serait la démocratie là. Enfin, ça resterait mes tier lists et vous regardez quoi, mais bon, c'est voilà, démocratie représentative quoi. C'est à quoi ça là-haut? La pierre, elle a une forme de. Hein, non, rien en fait. Ok. Ça marche. Coucou. Coucou. Salut Azulé. J'espère que ça chill. Merci pour le resub, ça fait plaisir. Il y a quelqu'un qui m'a follé. Il m'a follow. Il s'appelle Papy Chaos Corp. Et ça me fait rire. Vos pseudos me font rire que ce soit dit. Ah, si j'étais jeune. Je choisirais un autre pseudo. Hein. Bon. Je suis pas jeune. Et ben, j'avais ressorti ça, je crois, en me disant on va essayer avec ça, mais ça n'a aucun sens en fait, ça va être naze. J'avais mes deux halbardes là qui étaient naze, mais nul à chier. En fait. Enfin, les deux indépendamment sont pas mal, mais juste c'était une énorme déception, les deux ensemble. C'était très triste. Il y avait un seul truc pour lequel c'était fort, c'était. Bah c'était le coup sauté, mais je trouve ça nul comme gameplay, non? Faire que des coups sautés. Je vais me faire défoncer là. C'est vrai. C'est vrai que je vais me faire défoncer, je me faisais défoncer contre ces boss. Je peux réessayer... Putain, de toute façon faut qu'on fasse plutôt dans l'ordre de difficulté, non? Difficulté, non? Enfin oui, merde quoi. Rigolez, rigolez! Du coup ce serait là. Centre. Entrée. Centre j'imagine. Plutôt lui en premier. Le ruissellement des troubadours. Un éditeur, pardon. Vous êtes pas au courant là. Que se passe-t-il, Madame Persil? Coscorp, c'est pas de. Ah, je sais pas. J'avoue que j'ai tellement pas de culture que voilà. Non, non, bah non. Bah, en fait, je viens de lancer le jeu. Le principe, c'est pas que tu stream, que tu freeze. Dis-moi juste que c'est un freeze en mode ouais, mais là, je suis en train de compiler les shaders en back-end. Voilà, et c'est tout. Après, je vais plus freeze. J'espère que c'est ça. J'essaie de trouver des termes techniques, j'en avais pas. C'était pas du tout des termes complexes en plus que j'ai utilisé, même moi je sais ce que ça veut dire. Et ça n'a aucun sens d'ailleurs. Un éditeur pour mon recueil de poésie. Let's go! Et Arius aussi, il faudra qu'il nous dise s'il trouve un éditeur pour son livre, pour son livret. Mais c'est lourd en vrai. Je serais chaud que tu me les envoies. Bon alors, je ne suis pas... J'ai l'âme d'un poète. Mais je ne suis pas un lecteur assidu. Non, arrête de tout. Ça va. Puis la réaction était... Enfin, un petit peu trop extrême, non? Par rapport à la gêne occasionnée. Au pire, je serais juste redescendu avec un ascenseur. Pas non plus. Ah putain, non mais ça freeze. Mais putain, mais il faut que je relance tout de suite là. Pourquoi ça fait ça des fois au début? Attends, on va essayer la technique. Deux secondes. Je vais juste essayer ce que j'ai pas fait. Hein. Ça se trouve, c'est ça à chaque fois, le liant. J'ai pas ouvert le panneau de configuration Nvidia. Je vais l'ouvrir, le refermer. Si ça se trouve, ça va suffire à ce que ça freeze plus. Si c'est ça, c'est incroyable. Ce serait la vérification en direct que c'est ça. Et oui, je vois le boss. Ouais. Bon, de toute façon, si tu n'avais pas l'occasion de le voir, tu vas bien t'en souvenir là. Je pense qu'on va tous avoir l'occasion de le voir pendant un petit moment, ce stream. Est-ce que ça a freeze ou pas? J'essaye un combat, mais de toute façon, si ça freeze, c'est horrible. Déjà que les boss vont être chauds. Je peux pas utiliser l'alarme de Ricard vu que tu la respectes. Ah, j'avoue! J'avoue! Eh, c'est une excellente remarque ça. Elle est en quoi elle? Elle est où déjà? Elle est là? Ah non, c'est pas ça. L'âme de Ricard, c'est quoi? Je pensais que tu parlais de ça en fait, de la spirale sanglante. Mais ça, c'est bien ça. Ah merde, mais c'est de l'ésotérisme en fait. C'est pas bien, c'est de la merde. Mais en vrai, je crois que c'était pas mal. Il y a ça aussi. J'ai tellement de trucs en vrai. Que j'ai up, mais pas vraiment. La spirale sanglante de base, de souvenirs. Ça va être très fort, ça, en vrai. Ah oui, puis il y avait ça, qui est un kiff ultime. Et en plus, elle fait du saignement. Donc celle-là, à mon avis, on la testera. J'y penserai pas du tout, hein, je me rappellerai pas. On la testera si je change de build, ce qui est probable. Je sais pas, par contre, combien de... Mais merde. Combien d'opportunités de changer... Je peux faire une fiole. Combien d'opportunités de changer de build je peux faire, je peux avoir encore? Putain, 3 encore, bah c'est bon. Enfin, pour l'instant, c'est bon.
L'âme de Ricard. Et ouais, mon salaud. Oui, j'ai grid comme un sale Porsche, je le mérite. Que je suis. C'est quoi ça? Ok, explique-toi en fait. Ah, il a un follow-up. Ah oui. Ah, je prends tout là. Ça a commencé très bien pourtant, non? Eh, la lenteur de la personne est incroyable par contre avec la double barde. J'ai pas le temps de mettre un coup entre deux coups de sa part, c'est juste injouable. Du coup, il me semble que ce que j'avais essayé, c'était finalement d'enlever carrément, non? Et de jouer avec une seule hallebarde. C'est dommage, il y avait une bonne entame de match, et puis après on s'est laissé piéger sur la seconde mi-temps. Je dégage la magie, je pense. Hein. J'adorerais que tu passes de ce côté-là. plus de 4 ans. Après, c'était un chiffre divin, 51 mois sur cette chaîne. Comment il va, lui? J'ai pas compris ton délire, là. Oh, tu t'es retourné! Je pensais pas que t'allais le faire. Non, mais c'est bien. C'est bien. T'as des couilles. C'est vraiment sexiste comme expression. J'assume pas du tout. Ah ouais, mais tu fais des follow-up aussi à des trucs. Qu'est-ce que je veux dire? Arrête. Follow-back. J'en avais presque oublié ça. Là, ça commence dans la bonne humeur. J'en profite. Je kiffe un peu avant d'être un peu triste. Esquive. Ça, par contre, c'est abusé. J'ai pas le temps d'esquiver alors qu'il m'a déjà touché. Ça, c'est illégal dans certains pays, Miyazaki. Ça commence très mal. Allô, Hugo. Salut, salut mon tarot. Envie de jouer, envie de d'avoir qu'on me fasse un tarot. La douche, la douche. Vous me dites si c'est le son, si c'est trop fort, parce que j'ai remarqué sur les rediffs qu'à chaque fois en fait je mettais le son trop bas pour vous. Ma voix était super forte par-dessus la musique du boss et tout, donc dommage. Enfin, je trouve. Ah, tu me touches pas, bébé. Bébou! Typical le mec qui a le seum, ça. Mais j'ai le seum et tu! Non, bah oui, bah ça c'est facile. Mais j'avais ma bulle de pouvoir! Ouais, deux. Hein. Bah attends, si on en met pas deux là, on en met jamais deux, si je te dis. Tu sais que tu vas me toucher qu'avec ça de toute façon. Et toute ta deuxième phase, globalement. Et? Malade lui. J'aime pas ça. Si, j'aime bien, c'est la douche, pardon. Je voyais autre chose. Deux, hein. Ah, dommage. Bon, la première phase, elle est quand même pas très dure. Si je fais pas de la merde, on peut s'en sortir sans utiliser autant de fioles. Hein. Son du jeu est peut-être un peu fort, là. Son du jeu... Peut-être un chouïa fort sur le live, mais pas assez en rediff. Ah ouais? La bubule dans la boubouche. Pourquoi je regarde le chat là comme si c'était une pause, tu sais, dans le combat? Je me suis démobilisé d'un coup là. N'importe quoi. Par respect, je comprends sa fureur pour le coup. La douche! Je vais aller manger, mais tu sais quoi, mais fesse-toi en mon honneur. Ah, et salaud, il tente des trucs là. Oh, il a deux coups là-dessus. J'aime bien ça quand ils me surprennent comme ça. Contrairement par exemple aux avatars de l'arbre qui sont nus à chier et qui ont trois coups. Enfin bon, je dis ça. J'ai pas le seum, hein. Ounous. Oumous. Je suis obligé là. Ni. Ah merde, ça me bute. Le troisième, il est plus fort que les deux autres, je crois. Vous n'allez bien. Oui, non, ça va. Le son est trop bas sur les rediffs. Mais là, c'était trop fort, là. Quand je l'avais mis. Parce que je sais pas. Hein. Là, ça va, non? Ou c'est pas assez fort? Dites-moi, parce que franchement, moi, j'ai pas le même son en retour. J'ai l'impression que Twitch... Non, c'est pas vrai. C'est pas Twitch. Ça doit être ma table de mixage qui me renvoie pas le vrai niveau du son et c'est terrible.
Comment il va lui? Depuis il y a deux secondes. Mais je suis surpris que... Que Pastis par exemple... Bah attends, j'attendais peut-être qu'il soit pour en parler ou pas. Non, mais j'ai commencé ma phrase, je vais la finir, c'est quoi? Quoi qu'il en dise. Je suis surpris que certaines personnes m'aient dit l'autre fois qu'il n'aimait pas Midir parce que c'était un sac à PV machin. Et il m'a dit que celui-là c'était son boss préféré. Alors que typiquement l'autre là, l'autre boss et lui, c'est quand même des gros sacos à PV quoi. Il ne t'enseigne rien d'autre que de la patience sur la première phase. Ça frise plus hein les potes donc Ah bah il est là. Suffit de parler de lui. En mal. Il est là. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui ça frise plus parce que j'ai mis le. J'ai ouvert le panneau des tâches de Nvidia. En gros, c'est ça la morale, ça n'a aucun sens ce jeu. Allez. Je suis prêt à en parler. Prêt à défendre mon point de vue. Salut Toufman. Salut à ceux qui arrivent que je vois pas, je suis désolé, je suis dans le combat. Même si ça m'empêche pas de lire le chat des fois. Et non, c'était un prank de ma part. Je suis beau quand même comme ça. Avec cette armure là. Not piqué les hannetons. Hein. Not pick them. Please. J'hésite à en mettre deux des fois. Allez, tiens, quoi. Oh, mais t'es bien grand, j'ai l'impression que je t'ai touché. Deux. Je grid. Ah, mais ça me permet d'avoir l'esquive dans le bon timing, ceci dit. Paradoxalement, ça rend l'esquive plus simple pour ce coup-là. Tiens, sale pourriture, va. Douche. Chouche. Mais moi, je tape, hein. Ben oui, non, mais aussi. T'attends, quoi. C'est ça que tu fais, toi. C'est que t'attends. Ça va? T'as pas marre tes conneries là? Moi aussi perso. La P2 là peut-être. Ah! Mais je pensais que ça allait me toucher. Du coup j'avais demandé une attaque bizarrement. Allez, fais ta merde là. Sois content d'être une merde que tu es. Ni! J'ai quand même tapé. Ok. Très mauvaise opération du joueur français. Non, trop tôt, c'est dommage. Parce que après, ça fait une bonne opportunité d'attaque, je pense. C'est le genre d'attaque quand t'arrives à les esquiver, à mon avis. Ok, je me rappelais pas de ça. Ça te fait une opportunité de faire beaucoup de dégâts. Il est beau comme ça, hein, ce con. Il faut parler mal de lui deux fois pour qu'il arrive. Mais c'était pas mauvais la première fois, c'était gentil. C'est comme Bloody Mary, il faut l'insulter trois fois devant le miroir, c'est ça. Je pense que Pastis, c'est une combinaison de choses. Il a entendu parler mal de lui, et puis surtout, il y a Azulé qui a resub à 51 mois. Ça, je pense que c'est pas anodin, tu vois ce que je veux dire. Arrête de regarder le chat, le streamer. Respecte l'adversaire. Respecte-le, comme il te respecte. Lui, je peux te dire qu'il est pas en train de faire autre chose quoi, en même temps. Complètement focus. Ah, je pensais que je passais en dessous, je voulais tester. C'est bizarre, j'entends mon son en décalé des fois. Sur certains coups. Bah oui, je le prends. Je suis pas dedans, mais je le prends quoi. Classique Miyazaki. Je sais pas si je peux le congeler lui, ce con là. Tiens. Ça va être compliqué en fait, au rythme où je le tape. Ouais, t'es un petit salaud des fois toi. Hein. Je les connais les gars comme toi. Ceux qui me tabassaient à la cour de récré. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Putain de voir cela. Il a fait les deux d'un coup, ce gros tricheur là. Mais t'es un tricheur et un tueur. Oh, comme il a pris cher, il a pris le freeze. Comme moi, fut un temps, j'ai crevé là. Le timing était pas mal en vrai, j'ai réussi à placer des coups, même en dérangé de mort. Dérangé de mort. Ça c'est non. Alors attention. C'est quand même une AOE. Merde, j'avais plein de vie en fait.
Tant qu'il me fait pas sa drill de Caris là, qui ira bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça ne me touche pas là, c'est un mensonge d'état Miyazaki ce qu'il me fait. Aïe. Ça y est, on met du... Il doit être marrant en Noiti là. La drill! La drillo! J'ai l'impression d'être un gros forceur par hasard. Je veux ma revanche! Ah, j'ai pas eu le temps. Ouais. TBH, t'as raison, c'est mon paradoxe, c'est des sacs à PV, mais je sais pas, il y a vraiment des patterns plus intéressants parfois. Unfair, par contre, j'avais beaucoup aimé devoir analyser chaque attaque pour savoir comment esquiver efficacement et tout. Oui. Bah disons que moi, comme j'avais déjà eu cette joie sur les autres jeux pendant les challenges, je l'ai plus trop là, quoi. C'est pas trop une découverte de devoir analyser des patterns, du coup je me dis juste, bon, il a 5 milliards de vie. Après j'avoue qu'il est... c'est assez agréable de l'esquiver, je trouve. Surtout sur la première phase, la deuxième, j'ai pas encore bien assimilé. À mon avis, il faut être dans son dos. Oh, attends, t'es un salaud, là, je suis juste devant toi, tu fais une attaque de distance, là, c'est quoi ça? Je réfléchis pas encore en zone pour l'instant, pas assez, c'est dommage, si tu veux faire. Bah oui, je le prends, bien entendu. Ok, retourne à droite, complètement. Bon, c'est soit la droite, soit la gauche sur ce jeu-là. Comme dans la vraie vie d'ailleurs. Bah t'es une merde en même temps, donc oui je te tape. Qu'est-ce que je te dis? Versus la glaude, je te jure. Oh, il m'a tapé la tête. Ok, belle ambiance avec ce mec. Passe en P2 là, qu'est-ce que tu me fais? Oh dommage, je l'avais vu venir son petit coup là. Avec sa poudre de ninja pour pas que je le voie. Il semble, hein. Unus. Il a dit Unus. Ok, le nerd qui a fait latin. Nihilictis. Ah, il a tout cassé. Les tombes de ses ancêtres et des miens. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as changé le pattern? Oh, le bâtard. Ça, j'adore, par contre, ce que tu viens de faire, là. Trop stylé. Très surprenant. Non. Bah oui aussi mais. Ouais mais t'as chez Jean. Rien à dire. Attends, laisse-moi là, j'arrive plus à rien. Mon corps ne fonctionne plus. Eh hey, c'est midlife. Oui. Miyazaki, des fois t'as pas l'impression d'être un tricheur. Ah mais il change encore ses patterns. Oh, il est fou lui. C'est lequel? C'est celui-là, très bien. Nope. Bon, c'est une saloperie ce feu qui est au sol là, c'est clairement pour m'enlever l'anneau. Mais yo! Putain. Et en reculant, ouais, d'accord. Je vais esquiver aussi. Mog. Et il passe en dessous! À retenir ça. Je vais pas m'en rappeler, mais à retenir quand même. Imagine si je m'en souvenais. Oui, c'est pas mal ça. Ah oui, en plus, il fait pas du coup ce petit AOE. Hmm. La balle ou quoi? La balle. Mec, j'ai mis la balle, attention. C'est le plus grand pouvoir de ce jeu en vrai. Hein. La balle. Aïe! J'avais la balle de toute façon. C'est pas une AOE. J'ai grid de ouf. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, j'ai fait n'importe quoi, ça a marché. Ah oui! Je m'y attendais pour le coup là, mon brave.
La drill. Mais oh, mais je suis bloqué dans ta merde là. C'est quoi ça? C'est quoi cette attaque là? Hey, oh. Hey. Hey, pas celle-là. Celle-là je l'aime pas. Pas celle-là hein. Aïe 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 aïe. Facile de tricher, tu me diras. Il a changé encore, salaud va. Je sais pas si t'as remarqué, mais t'as deux attaques en fait. Ouf. Ouf. Dommage. Waouh, qu'est-ce que j'ai pris là? Ah, saignement, putain. Oumf et oumf. Il y a beaucoup de vie encore, hein, quand même. Le brave. Excuse, hein. Dis-le si je t'intéresse pas. Tu m'en regardes plus, de toute façon. C'est quoi, ça? Mais t'es un malade, j'étais juste devant toi. T'es pas censé faire ça. Mais je suis bloqué dans cette merde de feu à chaque fois. Bah oui, bah là. Et il esquive! Il tente le tout pour le tout! Oh le salaud! Oh le salaud! Il m'a tué plusieurs fois avec ça en plus. Petit combo de lâche là. Allez, le grid. Oh! Je vais crever là! Rien qu'avec ton feu de merde que tu mets par terre, je vais crever de toute façon. Oh, avec ça. Typiquement. Haya! Dommage. Nickel. Pas envie que tu gagnes juste pour écouter l'OST. C'est vrai que j'ai pas encore porté mon attention trop sur l'OST. Mais au dernier stream, j'avais quand même laissé une petite fois où j'avais pas parlé, non? Je vous avais fait ce cadeau. Allez, go. Merci. Il y avait au moins une personne qui me soutenait, ça fait plaisir. En fait, il y a un truc que je peux faire. Parce que moi, je joue avec des malus. On va se mettre des fioles, là. Oh, il y a ce PoE. Bon, ça va, mon brave. J'ai loupé 20 minutes de chat avec cette run. C'est à peu près le temps qu'il faut pour perdre contre lui. Moque. Oui, c'est la moque. Sako sa PV. Je sais pas si je fais particulièrement pas de dégâts, mais ça m'étonnerait parce que cette Albarde faisait des dégâts insane contre tout le monde, sauf contre lui. En allant chez un coiffeur au nom tristouné, genre machin esthétique, je suis passé devant la vitrine d'un coiffeur fermé depuis 2016 au doux nom de Twitter. C'est très bien ça. Ça me remonte le moral. Instantanément. Ah bâtard! Putain, mes doses Covid là! Pff, ok. Mais je peux pas en avoir. Attends, mais j'en ai que 14. Normalement c'est 15, non? Vous êtes des menteurs! Pourquoi j'ai 16? Je me suis fait chier à tuer 6 fois. Ça veut dire que là j'ai tué 6 fois ce connard de serpent de merde dans tous les donjons du monde pour que ça me serve à rien quoi. Bah ok. Je vais enlever mon puissance d'attaque quand les PV sont au maximum. C'est ce genre de boss qui triche sur ça. De toute façon, il veut pas qu'on le fasse. J'ai bien remarqué. C'est un salaud de menteur, de tricheur, de voleur en plus de ça. Tu sais quoi? Augmente la puissance d'attaque en cas d'empoisonnement et de putréfaction. C'est de la putréfaction ou c'est du feu sa merde? Ou c'est un mix? Si ça se trouve, je peux mettre ça en vrai. La défense quand vos PV sont au maximum. La plus grande fraude de tous les jeux, c'est celle-là. Constamment l'agression. Ok, équilibre, attaque de feu mais réduit la résistance. Bah non du coup. Ah, j'ai pas l'attaque de glace malheureusement. Les sorts là, peut-être. Puissance incantation, attaque sautée, ça doit être tellement craqué si je mets ça avec la double hallebarde, je vais taper à 1200 quoi. Augmente la puissance d'attaque des flèches. Moi je peux mettre ça non? Ou dégâts. Oui, vas-y, je vais mettre ça. Énormément. On n'utilise pas les mots à la légère, j'espère, chez eux. Énormément, ça me paraît sexy, là, comme ça. Et du coup, j'ai quoi? J'ai du poids, mais je peux enlever ça. Eh oui, je peux mettre autre chose, là aussi. Endurance maximum, on s'en fout, mais alors là. Rendement, les PV maximum. Ouais, un peu, ouais, putain. D'accord, je vais gagner 130. Incroyable. Et quoi d'autre? Parce qu'après, d'avoir autre chose aussi, non? De bien. La force, la dex.
sais pas à quel point ça me fait monter, honnêtement. Dégâts de feu, là. Grandement. Je sais pas si c'est plus worth ça. Vas-y, on va mettre ça un peu avant de mettre la vie, en plus. Il y a le Spips, ouais. Toi, ici. Spivax. J'aurais des culs, ça, pour le coup, mon brave. C'est du saignement, hein, cette saloperie. Du feu saignant. Barbuck gone wrong. Quoi, cette merde? Ok. Mais je suis juste devant toi. Il est un peu spicy parce qu'il est difficile à... Je parlais d'apprendre ses zones, mais des fois, il fait des dingueries, je trouve. Et d'habitude, les boss ne font pas. Ils doivent être fait exprès. Normalement, ils se cantonnent plutôt à leur zone, les boss. Mais lui, il tape des attaques qui sont censées être lointaines, mais dans des zones où t'es juste devant, quoi. C'est vraiment particulièrement imprévisible et ludwigesque, devrais-je dire. Un peu zéro, ça, pour le coup. Sur 20. Là, je pourrais, sur la douche, je pourrais placer l'attaque de gel, je pense. Ça n'a pas trop marché sur les oligarques, mais moi je veux quand même réessayer. Aïe! J'attends direct. À sec comme ça là. Oui, alors je triche parce que je suis presque mort en point 1 et j'ai la honte. Un gros bébou! 1000! Je vais crever. Oh, dommage! J'ai clairement abusé. La P1 était pas mal là. J'avais perdu une fiole. J'avais perdu 0 fiole, non? Puis après j'ai tout gâché, mais ça c'est un classique. Comment il va Pastelos du coup? Putain, je vois pas les gens arriver, c'est ça qui est chiant quand tu fais des boss. Tu peux pas parler à ton chat comme tu aimerais le faire, quoi. Comment il va Arius du coup? Tranquillou? Ah putain. Est-ce que toi tu as réussi à trouver un éditeur pour ton livre? Ton livre? Putain, mais là, en même temps. C'est pas correct là ce que je fais. Ah, mais. Ok. 3! Moi en espagnol, tous les mots que je connais, et pourtant 15 au bac! La douche! J'entends deux quand même, on a la foutre. Je l'ai pas touché sur la deuxième, putain, mais. Aïe. M'en fous. Je gritte de ouf là pour voir un petit peu les limites. Je casse le système! Putain, mais jamais j'ai la viscérale là! Je l'ai eu pour moins que ça, hein! Ah! Clairement plus worth en fait. Aïe, la douche dans ma gueule! La douche! Putain, il a du feu autour de lui, ce salaud. J'espère qu'il peut reprendre le jet, ce petit salaud. Ah putain, y'a pas. Je voulais voir s'il y avait des signes avant-coureurs de la OE, mais y'en a pas en fait. Ça m'a un peu cranké. Mais t'es un salaud comme ça là d'un coup d'un seul? D'accord, tricheur. Tueur en plus de ça. Taïa! Allez! Ah genre, je devais être vraiment un pied, tu sais c'est les hors-jeux au foot quoi, je devais être un pied dedans. Fait tellement de dégâts tes merdes là. Ah le salaud. Ah mais what? Des fois je suis pas d'accord quand même. Sur les hitbox là, Miyazaki. Miyazaki-san! Ah m'en fous.
M'en fous. Là, il est excité de ouf, là. Mais attends, mais ça va, en fait. Tout fait des dégâts. Chaque mouvement que tu fais... Every breath you take, je vois rien. Sale chien, là. Je suis pas dedans. Mais easy, on a l'habitude. Et je passe dessous, celle-là. À chaque fois, j'ai l'impression. Ça, c'est très bien, ça. Mais tu le fais jamais, pour moi, en deuxième phase. Comme ça. Deux, m'en fous, deux. Voilà, dans ta gueule. Tu remporteras pas au paradis, ça. Ça change pas en P2, cette attaque là, j'ai l'impression. C'est où qu'est-ce qu'il y a la musique? Ah, mais. Je la hais, celle-là. C'est de la merde. D'accord. Je juge un peu tout ce qu'il fait, ouais, c'est bon. Je donne des notes, quoi. Salaud! Mais là, comment je fais? T'es entouré de feu. Tiens. Bah oui, bah attends, écoute. Je commence à le comprendre, quand même, le boy. Là, j'ai l'impression que je suis mieux, quand même. Ah! Putain. Il manquait... Une frame là. Il a roulé d'aller passer. Mais t'es un salaud en plus de ça. Hein. Un facho. Ah, le feu de merde. Oh, cet enfer. Est-ce qu'il change le timing là-dessus des fois ou pas? Ou j'ai juste l'impression qu'il est beaucoup plus long des fois? Là, il était plus rapide. C'était pas la même animation, peut-être. Ah, j'ai plus de fiole. C'est compliqué, là, les garçons. La boule. Ah, oh, j'ai perdu la boule. Sur tellement de la merde. Mais le saignement, ça va. Le mec gagne le fight avec ça, en fait. Mets du feu de partout. Gros vilain dans la lave, hein, juste. Hein. Je sais pas, c'est plus rapide. Moi, je peux pas te battre si tu fais ça. Hein. Non. Oh, le connard. Il m'a tué vraiment 5 fioles au moins, juste avec cette attaque. A chaque fois, j'étais pas dedans d'ailleurs. Non, mais là, c'est bon. Encore 2 tries et c'est plié cette affaire. Salut, Albatar. J'espère que ça te chill. Du coup, j'ai posé une question à Arius, mais j'ai pas eu la réponse. Alors, non, faut que je fasse des relances. Je me suis pris trop tard l'année dernière et là, j'ai eu pas mal de trucs en tête. Ouais. Je cherche à faire éditer comme on dit, avec de la chance, je serais dans le catalogue 2023 d'un éditeur. Franchement, si j'avais des relations, je pourrais pousser au cul, mais... J'ai rien en fait. J'ai R. Mec, tu me feras une dédicace par contre, hein, je te préviens. Tu me mettras en co-auteur, c'est comme si je l'avais écrit, attends. T'es là tout le temps. Bien sûr que je fais ça. Je peux m'en empêcher. Le fight est tellement long, j'ai l'impression que j'ai commencé en 2012, celui d'avant. Mon troisième gosse rentre à Stanford là. Le premier, je l'ai eu ouais au début du stream, sur le premier fight. Maintenant il a 32 ans. Ça c'était pendant un try quoi. Mais t'as pas le droit de faire ça. Est-ce qu'il est pieds nus, ce salaud? Il est pieds nus en plus, ils sont toujours pieds nus. Les gueules. Je vais pas dans ton huile. Le mec jette de l'huile en fait, je vois que ça laisse des traces d'huile par terre. Mais je vais le prendre, je suis pile dedans. Mais je la veux cette viscérale de con, je comprends pas quand elle sort. Je fais n'importe quoi. Mais des fois ça veut rien dire, hein. Des fois t'as l'impression que tu fais de la merde sur la phase 1 et puis t'arrives à la phase 2 et ça suffit quoi. T'arrives avec très peu de fioles et puis t'es touché par la grâce, t'as le boss qui fait les bonnes attaques. Au bon moment, tu vois ce que je veux dire Mog? Ça te fait chier dessus ça, caca cucu là. Eh oui, c'est celle-là qui est plus lente, il en a deux le salaud. C'est pour ça que je me fais bait à chaque fois.
aussi. Audacieux là ce que je viens de faire, mais bon, c'était pour la France. Et il a changé là. C'est censé t'envoler. Mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat, ça. On peut l'esquiver en tournant autour, par contre. Bah oui, j'ai forcé. Mais je veux qu'il prenne son. Il prend pas le la congélation, il prend pas la viscérale, il prend rien. Et on ne sait pas pourquoi. Oh! Et ce saignement, c'est un enfer. Je vais enlever le truc résistance au feu, non? Aïe aïe aïe. Putain, je peux y mettre qu'un coup, c'est ça ma récompense, d'avoir esquivé tout ça. Un peu tristoun quoi. Les escaliers, ça reste le meilleur endroit pour ce fight en fait, j'ai l'impression. Que... Lol. Oh la douche. Ah mais ça il est gagnant à tous les coups. Il est obligé de te toucher d'une façon ou d'une autre. Là je récupère mes zéros. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Salaud. Pourriture. Ah j'ai déjà utilisé ma boule. M'envoie la chose. Oh là là mais... terrible, je me fais prank. Oh le salaud là, celle-là là. C'est un peu le problème de rester proche de lui, mais d'un autre côté, bon, c'est là où je peux faire le plus de dégâts. Vous savez que moi je préfère être agresseur qu'agressé. Putain mais attends, mais je vais crever juste avec son saignement de chiasse là. Il mène même pas ses propres batailles, ce miskin. Ouh. Je peux même pas venir là. Si je reste à mi-distance, il fait quoi? Cette chiasse là. Oh, je croyais qu'il y avait une suite sur l'autre. Oui. Mais je vais clamser avec le saignement. Mais arrête. Mais oui, mais je peux pas. Toujours plus quoi. Non, en même temps j'avais mal joué le début là. C'était maintenant il y a 6 ans ce début. On peut pas me reprocher d'avoir fait des choix quand j'étais jeune. C'est bon, quand t'as fini le fight, c'est vrai que voilà quoi, t'as eu le temps d'avoir ton doctorat, donc tu te rends compte que t'as mal commencé quoi. Mais bon, j'ai enlevé cette chiasse par contre. Et j'ai pas de truc pour le saignement. Ça me rend très triste. Enfin, j'ai ça quoi. Ah si, l'immunité, c'est ça, non? Mais j'ai pas le grand immunité. Vitalité, c'est quoi déjà? La vitalité. T'es un malade, toi, non, un peu? C'est quoi? J'ai envie de lire le manuscrit interdit d'Arius, mais je te jure. Du coup, j'ai vu vite, je regardais quand même le chat, je peux m'en empêcher. Je t'ai fait voler ton manuscrit, c'est dur ça. C'est le genre de chien qui a fait ça. Pas qu'à faire. Putain, mais je le touche qu'une seule fois alors que je suis littéralement devant lui. Par contre, ça me... je veux faire un trade, je peux même pas quoi.
Tu rends compte qu'on a pas le temps pour taper un en fait. Ce genre de P1 qui sert juste à te faire perdre 2-3 fioles. Ah mais quand même, une justice dans ce sombre monde. Ok, ça je fais genre 2000 de dégâts avec. Peut-être pas mal au final hein, de la jouer. Oh là là, il a tout pris. Dommage qu'il ait pris le congélation juste avant la P2. Il y aura de la victoire en Valo. Je crois que je la regarde en fait. Ça me fait trop de peine. Dommage que la congélation ce soit vraiment un effet naze pour le PVE, je trouve. C'est bon. Le fait de réduire la récupération d'endurance et machin, bon, ils s'en foutent un peu quoi. Les boss s'en foutent en fait, avec leur pool illimité. Tu nages dans le feu en fait. T'es au courant de ça que tu nages dans ton putain de feu là. Je peux même pas te toucher. Tu te dégoûtes. La douche ? Incroyable. Quel kill. Oh le bâtard ! C'est pas ça avant. Hein. Non mais ça c'est. Ce n'est juste pas vrai en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas juste inventer des zones de hitbox. Genre le mec qui a fait la hitbox, il a juste mis une sphère géante autour de l'attaque et il n'a pas du tout fine-tune. Ah putain, à chaque fois je passe pas loin mais bon. J'ai pas la concentration jusqu'au bout quoi. Je peux pas avoir plus de... Bah non je peux pas alors que j'ai de quoi les avoir normalement. Ça me dégoûte. Une histoire qui m'a pris 4 ans. Dur. Attends mais là je te regarde même pas. Et toi tu te bats genre. Il va appeler ça une victoire après. Mais... Là, j'avoue que je peux pas me plaindre. J'ai juste le seum sur celle-là parce que j'étais en plein dedans. Ça rend pas le truc plus agréable, je vous avoue. Ah ! C'est n'importe quoi là. Il y a plus rien là. C'est terrible. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'était quoi déjà le truc de Ricard? Mais j'avais déjà joué un peu avec ça. Mais pourquoi vous me dites ça Ricard là? C'est un truc que j'ai déjà joué ou c'est juste parce que c'est complètement craqué et vous voulez juste que je gagne? Mon dieu. Le truc de Ricard ça doit être dans les rapières j'imagine. Si on reste dans l'historique quoi. Rogier. Grande rapière. Je sais pas où c'est. Bah je sais pas. C'est effectivement avant toute chose de l'alcool, mais aussi une rapière dans les autres en tout cas. Peut-être que vous me parlez de celle de Rogier, non? C'est de la merde ça, non? Enfin c'est infâme. Je peux quand même jouer avec un truc qui a un peu de style quoi. Un peu avec ça là. Elle est un peu lente mais bon. Remarque, il fait voir. En fait elle fait de l'hémorragie et l'hémorragie c'est juste beaucoup plus fort que ce que j'ai avec la hallebarde. Hein. Globalement. Je sais pas, c'est plus lent ça non quand même. C'est un effet de...
Oui. La lame blasphématoire. J'ai joué avec ça avant. J'ai pas envie de prendre juste un truc parce que c'est fort, honnêtement. C'est pas un truc que j'aurais pris avant. Non. C'est quoi? Feu physique. Ah oui, mais après, c'est vrai que c'est drôle ça, c'est rigolo. La dégaine est drôle. Mais j'aime pas ce genre d'arme. Malheureusement. J'aime pas ce genre de moveset. Vertico là. Dégueulasso. Vas-y là, je reviens voir rien alors. Non, non, mais je veux pas de tips. Franchement, il est pas dur ce bolos là. Juste, il y a 1 milliard de PV, faut que je me concentre, mais il n'y a pas besoin de tips. Par contre, ça fait l'occasion pour le coup de vraiment changer de build souvent. Tant qu'à faire. Ça, j'étais à 56, putain. Ça me paraît si haut. Je sais pas combien de force j'ai besoin, mais bon. Admettons. Attends, 2 secondes. Je suis pas sûr, je suis plus sûr des stats de ce truc-là en fait. Chut. C'est quoi, c'est ésotérisme et après ça scale. Ah ouais, mais ça scale pas en fait. C'est l'avantage. Après il est en plus 6 donc. Ok, c'est plutôt dex donc la force ne sert à rien. Force 16. Je vais mettre 16 en force. Hein. Je dois avoir des sorts aussi en ésotérisme. Je pourrais utiliser un peu en PvE pour voir. Non. Ça va bien scaler avec Sano. Oh, attends. Allez, tiens, regarde là. Ça augmente ou pas? Je sais pas. Oui? Non? Bon, vas-y. Regarde là. La tronche qu'elle a, n'empêche. Le regard vide. Ok, bah merci pour tout. Je vais voir mon pote préféré là. Iji. Saga de 2000 pages. Putain. Ah, elle est marrante l'attaque. La taille du machin. L'attaque comme ça. Je me demande si je peux changer les cendres sur celle-là en plus. J'ai pas de thunes. Il faut quoi? La pierre de forge sombre, c'est parfait, mon pote. J'en ai, je ne sais plus quoi en faire, figure-toi. Maintenant. Mon brave. Ige. Putain, mais n'importe quoi. Les runes que je claque maintenant, elles font 10 000 au bout de 2 secondes. C'est fou. Je suis entré dans une autre société. Je vais me la mettre en plus 10 si je veux, mais bon. On va pas abuser. Oh putain, ça la passe en B quand même. Saleté, va. Oh. Bon. Hein. Deg. Egg. Pour les anglophiles. Un peu de mal. Je peux? No puedo. No puedo mas. Et ça, est-ce que ça va me servir, ça conclut? Ah oui, ça c'est pas mal. Là, je fais ça là. Je recule avec grâce. Qu'est-ce qu'il fait de ça? Ça fait des dégâts d'ailleurs, ça ou quoi? Non, parce que. En fait, c'est chiant. C'est les seuls ennemis du jeu avec lesquels je peux pas tester ça. Bon, tant pis, je verrai bien sur le boss. Comme on dit chez moi. Egg! Euf! Merci pour le resub, ouais, Beranor, ça fait plaisir en vrai. Je sais pas pourquoi j'entends pas mes alertes de sub, mais let's go. Why not? Comment il va, Mog? Le kidnapper! Un petit tabarnak kidnapper. J'ai toujours ma hallebarde aussi au cas où. Ça dégage. Je repasse dans ma charge moyenne. Ah putain, il est pas là. Mais il m'attaque pas, ceci dit. Pourquoi tu peux pas avoir plus de potions? Ah bah je sais pas, il faut demander à Miyazaki. Ça me paraît horrible comme chiffre, 14 et pas 15, mais bon. Un projet court, faut faire des essais les potes. Alors, j'ai hâte de pas te faire tant de dégâts que ça. T'es prêt à ça? Au moins on va pas perdre de la portée avec celle-là quoi. Ça peut
peu aussi loin que l'albarde. Elle est moins loin. Premier gaou ça. Ouais bah je tape un peu moins fort quoi. Après s'il y a le saignement qui suit par contre. Ouais et puis si je peux taper vite. Ah putain. Mais attends mais elle est sortie tellement vite l'hémorragie. On va voir si elle ressort tout le temps comme ça. Parce que c'est n'importe quoi c'est ça. Ils l'ont clairement buff par rapport aux autres jeux. Oui bah ça va t'es malin là. Oui bah ça c'est drôle, ça fait rire les gosses ça. Mais on est des adultes ici. Je vais crever si tu continues. Eh oui, je force. Je vais voir si l'hémorragie elle ressort en fait. Oh putain, mais c'est n'importe quoi! C'est si fort! C'est illégal, non, en vrai, ça? Je l'utilise, mais je vais me faire choper. Il y a la bague qui va casser ma porte là. Oui, bah c'est drôle ça. Bah oui, non mais limite je peux le tuer comme ça. Ni ni ni. J'espère qu'il prend quand même l'hémorragie sur la deuxième phase. Je pense, hein, mais pas de raison. On va pas s'arrêter en si bon chemin, nous dit Miyazaki. C'est quoi ça? Cette abomination d'attaque là que tu viens de faire. Je suis pas d'accord avec celle-là. Prends-le, je t'en supplie, prends l'hémorragie. C'est si drôle. Ah, je suis tenace. Pourquoi il m'a pas touché? Ça m'a trop pranké, ça. Je suis passé littéralement à travers une attaque sans avoir esquivé. Let's go. Bah oui, mais... En fait, c'est chiant, tu vois, ce que tu fais des fois. Mets ton petit feu par terre, là. J'ai pas trouvé l'opportunité de lui mettre de l'hémorragie pour l'instant. J'étais sûr que t'allais faire ça. Tu te retournais comme un salaud de fasciste. Bon, s'il prend de l'hémorragie, il prend clairement un seuil plus haut, par contre. Non, mais ça va. J'ai envie de dire heureusement d'ailleurs. N'arrange pas mes affaires. Ah si, il le prend. Ah le là. Mais bon, ça a pris beaucoup plus de coups tout de même. Oh la pique de papa au barbecue. Mais je vais crever en fait. Rien qu'avec ton saignement gros. Je fais n'importe quoi là. C'est illégal que je sois encore en vie d'ailleurs. Ça va cesser. Incessamment sous peu. C'est doux. Arrête, je force. Je suis choqué par contre de l'hémorragie. Ainsi qu'y compris l'ultime pouvoir du saignement. On avait un peu vu les prémices sur le croc du limier là, où déjà c'était n'importe quoi le saignement. Investir chez Starlink. Mec va en Ukraine, hein, ils ont de meilleurs co là-bas. Mox seigneur du sang est très sensible au saignement, oui. Et pas très sensible au gel, bizarrement. Alors que le mec fait littéralement que du feu dans sa magie de chasse, là. C'est quoi, les mecs comme toi, t'en as vu un, tu les as tous vus. T'en as vu une comme ça, de première phase, tu les as tous vus. ,400 de suite, let's go. 3,800. Ce qui me choque, c'est que tu puisses les refaire direct quoi. Alors que, encore une fois, le gel, tu peux pas le refaire tout de suite parce que le gars a le statut gelé pendant un quart d'heure. Mais le saignement, bon, la plaie se referme un peu toute seule et elle est prête à rouvrir. Hein. Il a mis vite fait des agrafes dessus et tu peux les dégrafer. Et ta merde, la pellicule.
Narvalo. Oui, bah ça fait rire les bambins, ça. Putain, il a fait celle-là, le salaud. D'où tu fais une autre attaque? Non mais regarde, t'esquives, tu perds quand même le truc. Faut esquiver qu'en avant en fait avec ce salaud là. Oh, ils sont larges sur l'esquive, par contre ils sont gentils. Sur l'esquive de la OE, j'avoue qu'ils sont gentils. Le timing est extrêmement, extrêmement généreux. Oh salaud, avec ta drill. Un peu de drill pop là. T'en dis quoi de ça, hein, pour l'instant? Ça te plaît? Ok, j'ai cru que c'était autre chose. Je sais pas pourquoi. Je suis opposé à ça par principe démocratique. Par contre, il faut vraiment que tu saignes des fois. Je comprends pas comment... C'est quoi ton seuil, là, en deuxième phase? C'est pas normal, ça! C'est quoi ce pattern là? Salaud! Y'a pas de normalité avec lui, il est fou. Regarde là, il le fait maintenant. 20 minutes après, il le fait. Comme une fleur là. Ah de le. Con. Oh putain. Oh putain, il est reparti. Il est reparti. Oh putain. Bah oui, je le prends dans la gueule, tu vois. Je me heal à ton nez, à ta barbe, je sors ma flasque de détective. T'as pas marre de faire ça? Juste pour t'humilier, je t'esquive alors que j'avais pas besoin celle-là. Oui, bah le sang s'est craqué quoi. Ça dégage. Notre dynastie, bah tiens! Tous les boss de ce jeu, c'est des gros rageux, hein. Tu les tues, ils font non, mais je reviendrai et tout, c'est pas fini, j'ai gagné en vrai, t'as pas gagné. Tout en chialant là. Ça dégage. 400 000 balles! 423 000, c'est très précis comme nom, moi. Ok. J'ai toujours cru en toi. Oui. Ça dégage, ce qui va être dur, ça va être l'autre débile là-bas. Non. Si. Je le sens. Je le sens bien qu'elle va être dure. Elle va être complexe, la débilos. Un peu de dex ou quoi là? Ou un peu de vie? Putain, ça remonte. Là, ça monte plus rien. Je pense que. Ouais, ok. D'accord, donc il faut aller jusqu'à 60 dans ce jeu là. Ils ont augmenté de 10 points. Là, ça sert plus à rien par contre. Et un peu de dex, c'est quoi? On pensait que ça prendrait un sim de plus. Ah non, quand même pas, attends. Enfin, je sais pas, moi en tout cas, je le ressentais pas forcément si loin de ma portée. Je vais aller voir après le œuf là, le egg. Mais avant, qu'est-ce qu'il y a de beau? Rien, ouais, stylé. Un peu de rien là. Non, par contre, l'autre elle m'inquiète plus, mais bon, on va voir. Ah, je peux pas. J'ai envie de lui taper un gros check. Du coup, tu veux savoir comment il fallait faire pour esquiver le cercle de sang? Vas-y, donne-moi le cercle de sang. Parce qu'on m'a dit l'autre fois que c'était un item qu'il fallait aller chercher je ne sais pas où à l'autre bout de la map. Seulement, c'est tellement craqué que dans sa run, je t'ai tué en sa seconde phase. Eh ben franchement, ça me surprend pas. Parce que même sans le saignement, c'était avec quoi le marteau? Une fois, on l'avait descendu super bas dans la première phase. Moi, je fais quoi là? Je me jette comme une merde? Moi, j'ai rien à perdre hein, de toute façon. J'ai 1000 balles. C'est rien ça. Regarde. J'avais posté la vidéo de ce qu'il y a dans l'œuf. Je sais pas si ça avait été relevé. Ah, bah moi, j'étais pas allé voir, je t'avoue, forcément. Pour préserver mon spoil. Une fiole spéciale, tu dois avoir les perles dans l'inventaire. D'accord. C'est perché pour le cercle de sang. C'est un truc qui a quasi pas de lien avec Mog. Ah ouais? Tu as un envahisseur qui te donne une larme à mettre dans ta fiole pour te protéger du cercle de sang. Ok. D'accord. D'accord. Bon bah du coup, voilà. Mais alors,
Il y a un truc que j'ai pas trouvé, on doit le voir d'ici. Je poste un lien, me tuez pas. J'autorise ce lien. Par décret. C'est là où je suis pas allé en fait. J'ai jamais trouvé. Alors qu'il y avait un mec en plus. Bon là on le voit pas, il est pas spawn, mais il y avait un gars là. Jamais compris comment il y a ce machin. Je pense que c'est un téléporteur que j'avais loupé quelque part, mais... Bon bah il y a l'autre là. Un peu moins chaud pour la faire celle-là, mais bon. Je me souviens plus, c'est canal de drainage. Un truc bien dégueu là pour elle. Petit canal de drainage là. J'ai trouvé la zone et j'ai ragé comme un dingo, tout ça pour rien. Quelle zone? On a tant saigné le mob qu'il est mort durant son premier nihil. Ah ouais. Attends, je suis où là? C'est pas là en fait. Je sais pas moi, elle est où là? Racine de l'arbre sacré. Ça sonne bien ça. C'est ça? Ok, c'est ça. Ça ne va pas être une mince affaire cette bolosse là. Bon, elle fait pas de dégâts spéciaux elle, je crois, non? En tout cas, pas dans la première phase. Allez, regarde là, les dés. Voilà. Ah oui, ça c'est peut-être pas mal là. C'est où le truc complètement pété dans celui-là? C'était. Les attaques successives, elles sont où déjà? Elles sont là, je pense. Voilà. Il s'active tellement facilement dans celui-là, c'est insane. Avec la mimique tir. Oui, oui, oui. Bah, il y a toujours cette solution, de toute façon. Après, il y a la solution du marteau avec les cendres et mettre deux fioles de mana. Et juste enchaîner et enchaîner et enchaîner l'attaque du marteau. Qui est complètement craqué. Ça me rajoute si peu de vie, en fait, cet anneau. Pas ce talisman. Vous pouvez voir si vous pouvez la stun un peu. Un peu gratos, là. Oui, c'est vrai que t'avances toi, t'es une malade en fait. Genre de meuf qui accepte pas la... Qu'est-ce que tu fais? D'accord, ok. C'est chelou la meuf. Ayawo! D'accord. Chelou. Salut, c'est la meuf bizarre. Ça c'est un cancer. Comment je l'esquive ça? Peut-être en allant sur sa droite. Bah tiens. C'est bizarre, il est toujours full life les gars. C'est un bug? Ça c'est un cancer cette attaque, je la comprends pas. Ah putain, il faut que je teste les paris. Je te respecte hein, juste laisse-moi vivre. Je pense pas que ça passe mais... Petite rondache là. C'est drôle. D'accord, c'est pas du tout un bouclier qui fait des parades. Let's go. Mais encore! J'ai pas le droit de... Par contre l'esquive est ouf. J'ai pas le droit d'avoir un... Bah oui mais attends. Mais aussi. D'accord. Ça va pas le faire là. Tiens. Oh la saloperie. Putain mais oh. J'arrive pas à choper les timings. M gris. Une chope. Et hop. Ouf. Ouf. Oh. Ah. C'est de la merde, c'est ça. Ah, oh, c'est de la chiasse. Je peux juste la repousser. Quel enfer. Merci, quoi. C'est encore pire que pas pouvoir, j'ai l'impression. Enfin, pour moi, psychologiquement, en tout cas. Après, si ça se trouve, il y a des attaques bien horribles que tu peux t'épargner, du coup. Je suis un peu déçu, du coup. Ça aurait pu marcher, les potes. Je déteste l'effet de ce putain... ce putain de bouclier, là, qui fait une aura bleue à chaque fois qu'il fait une parade. Terrible. Il nous avait jamais fait ça. Qu'une parade ça enlève juste le coup. Je vois pas trop l'intérêt du coup. À moins encore une fois que...
que tu puisses vraiment parer toutes les attaques, même celles qui sont hyper dures à esquiver. Alors comment elle va elle? Épée de Michel. Ah, oh, je pensais que je pouvais stun. Oh. Ah oh, mais ça va quoi. Je peux pas la toucher en fait. Ça se trouve il faut de l'opportunisme d'état là. On va guetter un peu son heure. Mais après c'est juste quand tu joues comme ça, tu t'es tellement frustré quand elle te touche et qu'elle regarde tout ce que tu lui as enlevé. Il y a des timings un peu tricky. Nomme-moi un boss de Miyazaki qui est stylé et qui n'est pas dans des fleurs, j'attends. Il y a un truc quand même pour les fleurs blanches dans la culture japonaise. D'accord. Oui bah c'est bon. Sing ce son, use piano merde. Oh là là, elle dans. Ah non, elle va faire son attaque cancer de merde là. Et puis elle vient me procher. Ah non, c'est pas celle-là. Si je cours, tu fais quoi? Elle s'aime. Challenge, descend en dessous d'un quart de vie. Ouais, celle-là elle est terrible. Ah, je pensais la toucher sur le saut là, tu vois. Non, pas ça par contre. Pas à moi. Je l'avais jamais vu celle-là, je crois. Ou alors je n'ai pas de mémoire. Si c'est tout aussi possible. Est-ce que je peux la backstab? Après le bouclier, est-ce qu'on peut backstab? J'en suis sûr que non, par contre, le backstab. On peut pas la parer de toute façon. Ce serait débile qu'on puisse lui mettre des backstab. Ça enlèverait un peu la stature du boss en plus, quoi. Oh là là! Ah oui. Ah non, c'est pas l'attaque que je pensais. C'est celle-là. Mais c'est là. Mais. Moi je vais sortir un bouclier, ça va être réglé hein, cette affaire. C'est associé à la mort les fleurs blanches. Bah merde, il y avait plein de pâquerettes où je suis allé à midi là. Pas ouf ça. Tu viens de détruire ma vie là. Alors, un petit bouclier qui fait 100 de garde là. On peut avec un petit. Non, ça c'est anglois ça, j'aime pas ça. Oh non, je vais mettre le bouclier anglois quand même. Ah non, je vais mettre celui-là. 7, il pèse. Putain, excuse. Bon, si ça se trouve, elle va faire sauter mon endurance en 2 secondes. Mais ça vaut le coup d'essayer. Oh, c'est dégueulasse. Il y a le truc qui passe à travers, c'est immonde. Chante-nous une chanson, tu es l'homme piano. Je chante une chanson de Boomer 3000 là. Non bah non, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, tout ça pour ça, je m'attendais à bien pire. Ouais, celle-là, toujours pas comment esquiver. Et celle-là non plus. Tant qu'on y est. Du coup elle devrait faire que celle-là en boucle en fait. Hein. Et elle gagne, en 2 secondes. Pas qu'elle perde en ce moment mais bon. Ah non, elle touche, je croyais que j'allais être bien. On apprend mes boys. Hein. Celle-là, comment je l'esquive? Explique-moi, meuf. Peut-être passer à droite. Celle-là aussi, peut-être passer dans son dos. Quoi que ça. Non, je t'interromps. Ouf. Je t'interromps. Ah, pas tout le temps. Hein. C'est à la carte, quoi. J'arrive. Eh bolos. Eh non. Ça marche pas ouf. Ça marche pas de ouf. Ok. Ça a ses limites. C'est pas l'esquive de la dague où t'es totalement immortel quand tu le fais. Mon Sword Dancer dans Lineage. Je vois pas du tout. Pas du tout la ref. Malheureusement.
Comment ça va, Fanny? Exactement ce que je pensais de la pizza que je mangeais. Tu manges quoi? Comme pizza? On a sorti un son sur Spotify. Oh, mais lourd ça! Putain, et l'album. Mais attends, mais j'ai que des créatifs sur mon stream. Des gens qui font de la musique ou de l'écriture. Puis à moi au milieu, quoi. Stylé. Là, c'est là, je l'aime pas. Pourtant, il suffit de reculer pour esquiver, mais bon. Mon corps, mon choix. Ah, mais je veux t'interrompre quand tu fais ça, mais j'ai pas le timing. Ouf! Fais quand même des dégâts au cas où, quoi. T'esquives le truc, mais ça fait des dégâts. Let's go. Je m'en fous, je vais refaire exactement pareil en boucle. Voilà, c'est toi qui a craqué. Moi j'ai continué à le faire, c'est toi qui a craqué. J'ai gagné. Comment? Attends. Ok, je connais pas ça si. Sans doute que j'ai déjà vu. Elle a beaucoup de patterns en vrai, dès le début. En plus. Oh là là. 800 quand même. Il y a un monde hein. Pardon. Ah, je peux pas stun quand elle fait ça. Dès qu'elle est en l'air, en fait, j'ai l'impression que c'est plus compliqué de la stun. Or, elle aime bien Sotaz. Ah non, bah là, je l'ai stun alors qu'elle était en l'air. C'est quoi ça? Ah non, c'est ça déjà! Mais attends, mais j'étais pas du tout prêt là! C'était un quart de ta vie et tu fais ça? Quel genre de monde on est là? Ouais, ouais, The Boss, ça se fait dans une salle de fleurs blanches. Le bon vieux German aussi. Bon, ça a rien à voir, hein. Je pense pas que ce soit le même délire, mais. Les débiles là, dans le DLC là. Les champignons là qui font de la magie dans Bloodborne. Je sais pas comment ils s'appellent, les émissaires célestes. Et en vrai, le nombre de jeux japonais où il y a des combats dans des champs de flambeurs. Des champs de flambeurs! Alors? On a pas de la bouffe. Envie de flambeur, putain. Arrête ça. Du coup, elle le drop, l'anneau qui redonne de la vie à chaque fois que tu touches. Comment ça se passe? Si, je le veux, tu sais. Elle est pas commode, là. Oh là là, le timing est insupportable. Enfin, c'est très bien, quoi. Il change d'habitude, mais du coup... Faut la prendre quoi. Ça je comprends pas cette attaque. Enfin si, j'ai dit que je comprenais pas, mais en fait il faut que je tourne à droite. Mais c'est dur de, pour l'instant, d'identifier les attaques. Oh, t'as kiffé là. Et je vais faire mon attaque de grosse rageuse. Soon là, hein. Soon TM. À moins que tu regagnes de la vie. Voir comme ça. J'avais pas mon bouclier là. Narvalo. Mais Narvalo, j'avais mon bouclier en fait quand tu m'as touché. On est parti là. Non. Ça marche ou pas? Mais en fait elle tourne autour de toi. Mais remarque, j'ai survécu hein. Mine de Krayax. Elle a gagné toute sa life mais j'ai survécu quoi. Alors qui a gagné? Hein? Bon. Elle regagne quand même de... Et ça c'est de la saloperie par contre Miyazaki. Je bloque à 100%, c'est pas pour qu'elle reprenne de la vie quoi. C'était un combat de sourd. Arrête, arrête. T'es plus sourde que moi apparemment. T'arrives mieux à être sourde. De quoi je t'aurais déjà tué 3 fois dans ce combat si tu aurais gagné pas tes PV là. T'as rendu compte de ça? Pas sur un combo quand même. Et plein de sang là. Arrête, ça c'est ton instrument hein, de torture. Numéro 1. Oh le petit bait. J'aime beaucoup. Oh, oh.
Oh, ouf. Un petit peu là. Arrête ça, ces conneries là. Oh là, ça nous fait là. J'arrive midlife, elle va bien faire une saloperie encore. Eh bien sûr, ça met en boucle par contre. C'est la deuxième phase, bienvenue. Oui, c'est ça en plus. Arrête, tricheuse, voleuse, tueuse. C'est quoi? Non, on l'a pas vu. Bah c'est la mort là. Mais par oui, par strangulation. Bon alors j'imagine que cette attaque là, elle doit la faire genre deux fois ou trois. Avec plusieurs seuils, parce que si elle peut la faire quand elle veut, par contre ça va être problématique. Donc je pense pas qu'elle puisse la faire quand elle veut. Elle doit juste la faire en mode vas-y, t'es quoi là en... C'est ma. Voilà, c'est juste je regagne ma vie quoi. Enjoy. Parce que l'idée qu'elle le fasse quand elle veut, c'est un peu terrifiant, j'avoue. Mais je me suis senti étouffé. Trop bien, tu te rends pas compte. RDV à Grenoble cet été pour retrouver my god. Putain mais let's go en fait. On ira au bar mon pote. Au seul bar de Grenoble. Bar tabac. Ah mais là tu m'as bien niqué, bravo. Non mais bravo. Ça te rend pas plus cool de le dire à chaque fois. Bon, elle te fait, hein, franchement. Venez sur Montpellier. Vous avez déjà dit, mais j'y suis allé qu'une seule fois à Montpellier, quand je me suis trompé de train pour Marseille. J'ai dû prendre le tram pour aller prendre un Flixbus ou un Webus ou je ne sais quoi d'autre. À l'autre bout de la ville, là. Dans l'angoisse la plus totale. De nuit, en plus, t'es. Enfin, bref, j'ai bien kiffé Montpellier. C'est beau comme ville, hein. Le tram est beau, quoi. Mais arrête aussi. Oh, d'accord. Je continue. D'où est Procide? Elle doit être vraiment dure en challenge, parce que quand tu peux pas tanker les trucs. Tu peux arrêter, là. Des fois, elle est agitée, quand même, cette gamine. Eh ouais, mais attends. Elle fait ses patterns alors que je suis même pas là. Là. Arrête. Il y a un principe dans le jeu vidéo, c'est surmonter une difficulté, avoir une récompense, mais toi t'en as rien à foutre en fait. Toi c'est chacun pour soi quoi. D'ailleurs, à une main c'était pas mal au final, non? En termes de cadence, j'aime bien. Mais ça, c'est tout ce que t'as à dire. Bien, les Français vont voir au travers. Je leur fais confiance. Pas ouf ça. Mais en vrai, ça va. On s'est bien sorti. Bon, elle a récupéré toute sa life, hein, mais ça, c'est sa signature move. Comment ça va, Zamessia? Tranquillou? Arrête ça par contre, c'est un enfer ce move. Je voulais voir avec le bouclier, mais en fait c'est infernal, elle régène tout quoi. Alors que c'est un bouclier qui part à 100%, on le rappelle. Je comprendrais si je parais pas à 100%, mais là c'est juste unfair quoi. Pour les gens qui font un build bouclier, je veux dire. Rive de Noël, tu te fais juste fumer quoi. Avec ta fatroll là, les larmes aux yeux. Non, je te stun. Non, déjà! Oh putain, donc elle peut le faire quand elle veut! Mais c'est effrayant! Mais c'est honteux! Genre, elle le fait à chaque fois que tu dépasses le seuil d'un quart, genre. M'abuser! Ça va être dur de le dépasser, quoi. Pas commode là. Arrête avec tes conneries là.
Et oui. Aïe aïe aïe. Ça va. Ah, je croyais la stun. Je sais pas pourquoi des fois tu peux, des fois tu peux pas. Elle lâche son omni-slash. Elle appartient à un certain nombre de dégâts encaissés. Bah ouais. Mais du coup, si c'est reset à l'infini, c'est un peu chaud, quoi. Faut que je sache l'esquiver, du coup. Le truc, c'est qu'elle le fait pas assez souvent pour que t'aies envie d'essayer des esquives, quoi. Mais bon, il va falloir que j'apprenne à esquiver, hein. Ça va, Zamessia, du coup, tranquille? C'est une bonne moitié de semaine. Enfin bon, c'est pas encore la moitié, désolé les potes. Comment elle va, Malenia? Depuis il y a 2 minutes. Ah, pourtant, c'est pas loin. Je stun. Ah non, ce coup il est horrible. Le coup post-roulade là, il est terrifiant. Faut le faire. Ah, mais là j'étais pas stun. Oh! Explique-toi, exprime-toi. Ouf! Merde. Chaque fois je le tente du coup, comme il passe des fois, mais. Le stun, je veux dire. Oh, et là je loupe! Dead. Faut rouler vers elle à la frame près avec l'esquive. Parade au bon moment avec bouclier. Ah bah merci du spoil. Cool. J'aurais préféré le découvrir par moi-même, je t'avoue. Super moitié, en plus je vois la belle Malenia. Let's go. Là. C'est bon. C'est le caprice d'entrée, quoi. Oh oui oui oui, le fameux. Ah putain, elle est pas stun. Si je la touche juste, en fait, faut la toucher dans la frame où elle retouche le sol. Pas avant, pas après. Oula, ma boule un peu. Oh là. Ça aussi, j'avoue, en fait, ça aussi, ça doit être le bouclier du coup. Faudrait que j'apprenne à reconnaître qu'est-ce qu'elle va lancer. Ah merde, c'est ça! Putain, mais j'avais pas reconnu! Ah! Elle me le sort à chaque fois! Je peux pas me fier à son niveau de vie parce que j'ai l'impression que c'est changeant. Désolé, non, mais t'inquiète. Hein. C'est juste que je préfère jouer sans backseat pour le coup, comme je découvre le jeu. Faudrait que je try de lui faire une parade, mais là par exemple, je l'ai pas vu venir le coup. Compétence de mon arme, c'est globalement de la merde. On peut le dire. Petite esquive en arrière mais qui n'est pas très efficace et après un coup. Ceci dit, je peux essayer de le placer mais bon, je suis pas sûr. Ouais. En même temps sur ce pattern là. C'est un enfer en fait. Tu vois, c'est ça. Bon. C'est un peu le croc du limier. C'est totalement le croc du limier en fait. Il est fort ce jeu là. Franchement, je suis avantagé à jouer à une main avec cette arme. Contre elle, je veux dire. Ça part beaucoup plus vite. Et en esquive, c'est chaud. Ah ouais, elle enlève toute ton endurance quand t'es derrière le bouclier. Encore une fois, je pense aux quelques joueurs qui se sont fait des runs avec les quelques nouveaux joueurs, tu sais, qui ont joué tout le jeu avec des boucliers. Ils arrivent à elle, les pauvres. S'ils arrivent à elle, déjà, vu la zone d'avant. Merci la roulade que j'ai demandé il y a 20 minutes. Ah, dead.
Oh, pas d'aide. Et j'ai tenté. Pas gentil ça. Plus de vie, meuf. C'est quoi cette saloperie? Ah là là, mais en même temps, le ciblage dans ces jeux. Enfin, j'essaie de la jouer sans ciblage à un moment parce que. C'est pour qu'il loupe les coups, ça me fait penser à Bloodborne où quand tu mets les. T'essayes de faire une riposte et ton perso tire à côté de l'ennemi, c'est un peu plus frustrant pour ceux qui ont joué à ces jeux-là, ils s'en souviennent. C'est pas. Putain, c'est pas ce que je pensais du tout. Je pensais que c'est son torrent de coups là. Quoi ça? Ok. Il va nous faire sa chiasse là? Numéro spécial, édition du chef? Ah là oui. Bah toujours pas. Oh là, celle-là je crois toujours je peux juste reculer, ça ne marche jamais. Non, je suis là. Et celle-là d'attaque, elle sort tellement vite. Regarde là. Putain, je voulais. Ah mais merde. J'ai fait la compétence de l'arme. Comment ça se fait? J'avais pas le bouclier équipé là. J'hallucine des fois. Ok meuf hein. Faut te calmer aussi je pense. Je voulais juste que tu fasses ton autre attaque mais tu le fais. Enfin j'arrive pas à comprendre. Soit c'est des. Ça m'étonnerait que ce soit des seuils de dégâts totaux qui l'activent, parce que là elle le fait jamais. Alors que je vais quand même enlever beaucoup de fois. Je sais pas, j'ai dû enlever sa barre de vie entière là. Depuis le début du fight et elle l'a toujours pas fait. Donc c'est bien des trucs fixes. Mais je comprends pas c'est qu'elle peut le refaire à d'autres endroits. Enfin. J'ai l'impression que ça les reset presque. Si elle recover au-dessus de la barre de vie, au-dessus de, du seuil, et ben elle peut le refaire quoi, au calme. On a dit c'est ça hein. Moi, j'ai pas eu trop l'opportunité de le voir vraiment. De voir le cœur net mais bon. Là, elle le fait toujours pas quoi. Bah il y avait. C'était avec ce bouclier que j'ai pari, non? Une arme qui swing plus. Ah bah c'est clair ouais. C'est plus compliqué là dessus. Non non c'était avec ce bouclier que je faisais. Mais putain mais c'était pas avec lui. What? Mais j'avais quoi avant? C'était avec lequel? J'ai bien fait des parades à un moment. C'était avec celui-là. Ah oui c'était avec cette chiasse là. C'est vrai que c'était avec celui-là. Enfin avec l'autre là. Enfin je sais pas. C'était pas lui en tout cas. Je perds tout là. Je perds tout de vue. J'avoue qu'autant la rapière était adaptée à Mog. Mais peut-être qu'elle elle est un peu moins. Il nous reste la strat. On va y venir à cette strat si elle continue. Si elle continue l'impertinence. On va devoir ressortir le marteau, je suis désolé. C'est pas de gaieté de cœur, comprenez-le. Comprenez-le, je vous en supplie, comprenez-le. J'essaie déjà de me faire pardonner mon crime de guerre futur. Arrête par contre. Cette attaque, je te jure, arrête. Après, il y a une certaine élégance dans notre duel, tu vois. Si moi j'ai la rapière, je l'honore un peu plutôt qu'avec des gros coups de marteau sur son crâne. Ou un ultra espadon qui swing dans tous les sens. Ouch. Non, je pense que mon vrai ennemi là, à force, de plus en plus, ça va être la patience quoi. Saloperie va. Saleté va. Mais saleté en fait, arrête-toi. Elle m'a fait une parade là.
péri. Personnage du Seigneur des Anneaux, ça périt. Bon, voilà. Yo, Margot. J'espère que ça va. Depuis avant-hier. Rappelle-toi que si tu abandonnes le fight et coupes le stream, trop bien gagne. Non mais je ne vais pas rage quit, ça c'est sûr. Ça me fait pas rager. Mais juste c'est le désintérêt un peu quoi. Vu que c'est long. C'est un peu effectivement l'effet midir, tu sais, où si tu bats pas le boss vite, en fait il te paraît interminable à chaque fois. C'est pas des essais rapides quoi, on va dire. Du coup ça, voilà. Connaissant mon seuil de patience. Aïe. Il me faut d'autres villes pour combler. Merci Margot, ça fait plaisir. Merci pour les 4 mois. C'était pas celle que je pensais du tout. Merci hein. Et elle vient jusque là quand même, saloperie. Je peux pas vraiment lui échapper. Oh, elle m'a pas touché avec ça. Le jour de gloire est arrivé là. Ça c'est... Je comprends pas qu'elle soit là cette attaque, sérieux. J'ai pas réussi la parade les gars. En même temps elle... J'arrive jamais à savoir quand est-ce qu'elle va lancer cette putain d'attaque. Du coup, je ne suis jamais prêt quoi quand elle le fait. J'en ai marre de me faire subgift par trop bien. Let's go. Mais tu sais, vaut mieux que les... trop bien s'appauvrit, c'est toi que tu gardes ta thune. Hein. C'est ce qu'on dit toujours, ça vaut mieux que ce soit trop bien qui paye. D'ailleurs, la réforme des retraites, trop bien. On va en parler un peu. Ça a passé, même les bons joueurs ont mis 80 tries. Super insultant du coup comme on marque. Les bons joueurs. Ok. Ça fait juste un peu mal. Remontaro. J'arrive pas à avoir le timing pour ça. Mais je pense tout simplement qu'elle a des frames d'invincibilité avec certaines attaques. Je sais pas. Il me fait pas toucher. Ne lis plus le chat aussi, je pense que ce serait pas mal comme conseil. Ça va, là, je suis dans les cordes, monsieur l'arbitre. Je fais n'importe quoi là. On en revient sur la patience, là je n'en ai plus. Je fais nawak. Ça fait comme la bourse un peu. Il faut... Là on est dans une période de creux et après ça va remonter les gars. Au prochain stream quoi. Parce qu'en plus on a plus rien d'autre à faire que elle là. Cette saleté. Enfin on peut finir le jeu je pense. Aller se faire cramer dans le truc des géants là mais bon. On m'avait dit que c'était un truc où il n'y a pas trop de retour hein, c'est dans le genre. Bah ouais s'il vous plaît. Ouais. Ouais c'est ça. Je vais jouer qu'avec des roulades sur le côté de toute façon, c'est mieux. On va jouer comme un boss classique, hein. Je sais pas pourquoi je reculais. Ah ben voilà pourquoi je reculais. Parce qu'il y a quand même des attaques qui te chopent sur les côtés. Non mais attends, il faut que je continue à aller sur les côtés. Il en a toujours été ainsi dans ces jeux là. Mais par contre elle arrête jamais quoi quand t'es proche d'elle, hein. C'est insane. Et elle me touche. A voir en vrai si je tourne sur les côtés. J'ai l'impression que plus t'es proche, plus elle enchaîne. Il a ramené le cadavre géant de son frère. C'est quoi celui qui est dans l'œuf là? Invoque-moi, je viens de régler ce problème. Non mais c'est bon les gars, hein. Je suis pas en train de chialer devant le boss là.
Ça reste... on avait passé 8 heures hein, sur Ludwig, donc... pour l'instant, j'ai encore ma marge de tolérance. On a vu d'autres, en fait. On a vu des diacres. Excuse-moi de te le dire, ma petite. Tu seras jamais les diacres. Quoi que t'essayes d'être. T'as beau récupérer ta vie comme lui, là. Tu seras jamais l'archiduc des diacres. L'antipope. D'accord, intéressant ce qui vient de se passer. Mais je peux te taper et te stun. Allez. Sous l'armure ça, dans les côtes directement là, je pourfends le cœur. Il y a quand même de mauvaise foi, j'ai remarqué. C'est oui, touche-moi, mais pas trop. Moi j'ai plus le droit que toi. Ah mais c'est ça. Bah excuse en fait. Tu m'as pas tué Zo. Skin. Mais ça encore une fois, si l'astuce c'est de la parer, comment le joueur qui découvre ces jeux là peut savoir qu'on peut parer les boss, peut savoir qu'il faut la parer. C'est ça que je trouve ouf avec avec la zone de Mog et cette zone là et les deux boss, c'est que genre t'as l'impression que tout le reste du jeu c'est accessible et tout à tout le monde, tu sais, et puis là d'un coup il est en mode bon bah là voilà, on parle de 5% des joueurs qui ont tryhard les autres. Et puis basta. La blague c'est que je suis à chier. Mais non, tu l'as battu quand même. Je pense que tu l'as battu ce boss là, ça devient simple. Je vais le dire. C'est comme le Mog là. Je pense que le Mog c'est un peu le roi des tempêtes quoi. Une fois que tu l'as réussi une fois, il est assez simple. Elle, je sais pas si ça va être le cas, il y a moyen. Ouais. Je pense. Hein. Ah c'était ça. Excuse-moi, je regardais pas. Enfin, je regardais, mais je savais pas que t'allais faire ça. Mais t'es malade en même temps! La marque de l'ethmi. Ah oui, j'ai vu passer ça, le mec avec sa tête de jarre. Je savais pas que c'était pour ce boss-là, Zo. Ok. Je voulais tester un peu, voir si tu peux juste courir un peu pour esquiver les attaques. Tu ne peux pas. Pas du tout. Je l'ai vaincu, c'est vrai. Let's go. C'est que ça que l'histoire elle retiendra en fait. Est-ce que je peux mettre de l'hémorragie sur mon marteau? Tu vois les cendres que j'ai. Bon, en vrai, le marteau il tape vraiment pas assez vite pour. Et j'ai pas eu sa rune à notre con de Mog aussi là. Attends, j'ai pas regardé ça. Il m'a droppé deux trucs, non, Mog là. C'est quoi? Altus S de l'autre côté du grand pont à l'est de Lendel. C'est où ça? Là? J'ai déjà fait ça, non? Oui. C'est rouge, c'est pas très bien ça, non? C'est quand même. Une majeure de Mog. Ça, elle est rouge. Et ça veut dire, chef? Octroie la bénédiction du sang au fantôme. Elle octroie. Invoquer et confère une rune majeure fantôme. Ok. Pas compris. Mog et Morgoth sont deux frères jumeaux, leur rune majeure respective est donc de même nature. Cependant, la rune de Mog est réduite d'un sang maudit. Et enduite d'un sang maudit. En raison de l'amour indéfectible qu'il porte au misérable bourbier souterrain qu'il a vu naître. J'ai pas compris à quoi tu sers toi, mais c'est pas grave. T'es là, c'est le principal. On a parlé politique en histoire, j'ai dormi. Eh oui, mais c'est important malheureusement. It's important. Qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais voir les cendres. Je me souviens plus parce que je sais qu'on peut mettre de la magie et d'autres trucs. Est-ce que je peux mettre du sanguiné?
Oui, je peux mettre du sang. Ok, 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 ok. D'ailleurs, on a des trucs de sang. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Les cadeaux de mon souvenir. Oui, je suis pas allé acheter son armure là. Ah, on peut aller vite. Ah oui, lourd. Merci pour l'astuce. Bon, j'ai presque fini le jeu du coup, c'est dommage, mais let's go. Là. Tiens. J'ai pas de thune la Viox. Obligé de tout payer avec toi, c'est toujours une affaire de. Une affaire pécuniaire quoi. 60 000 ça devrait aller, non? Ok, 30 000. Un peu surestimé la valeur des runes. Qu'est-ce qu'il donne lui, son chandelier de chiasse là? Accumule du. Ah d'accord, pardon. Je vais te parler un peu vite de cette chose. Ah, ça fait du feu en plus. Bien sûr, je prends le chandelier. Comment brûler les épines? C'est quoi ça? Chef, ah oui! Autrefois, chevaleresse Zoran, Loretta s'est mis en quête d'un refuge pour les ennemis noriques. C'est joli ça. Je prends. Je prends! Et l'autre, il a pas d'armure, le clochardo, le mog là? Bon. Ou alors, on l'achète pas ici, peut-être ailleurs. Ok. Fais voir les patterns de ce truc là, c'est une hallebarde. Dans les faits, je veux dire. Oui. On va essayer là de toute façon. C'est un peu trop demandé ça. Si je fais ça. Pas du tout. Si. X dans. Tu es dans le menu de la caisse de grâce levée. Si tu fais ça, il te TP à la table du roi Arthur. C'est extrêmement lent en fait. Alors, est-ce qu'il y a un délire de mettre les cercles sur les ennemis ou c'est juste le kiff de faire une AOE insupportable en PVP? Remarque, tu peux le backstab le mec quand il fait ça. Un peu un enfer dans la cadence. Après, elle est méga, méga cool quand elle est enflammée. Je sais pas, 27 d'ésotérique quand même. Pourrait presque l'essayer. Mais bon, c'est moins fort, je pense, tout simplement. Tout simplement, c'est moins fort. Non, ça va. Faire une parade normale, ça ne prend pas de points de compétence. Il y a un respect un petit peu. Des gens élégants. Une certaine vision de la France. Stylé. Envie de te backstab en fait. J'ai peur de louper des alertes de stream. Les alertes ont l'air de bugger ce soir. Enfin, elles marchent pour vous, mais moi je les entends pas. N'importe quoi là, ma pauvre. Ah, je te stun! Recover plus vite que moi. Super méchant. Oh, c'est bon là? Agité, hein? Oh putain, mais ça. Fatal. Oui. Ah, ça se donne pas là-dessus. Ouf. Ouf. LED. Un modèle de bras de micro. Il faut que je change le mien. Mais je sais pas si j'investis dans un Rode à 80 balles. Bah alors moi c'est un Rode. Le bras de micro que j'ai. Et je l'ai depuis je sais pas, 2013-2014. Il a la particularité de. Je sais pas si vous l'entendez là. D'avoir ce son agréable. Ah, toi aussi, ça grince. Stylé. Bah écoute, lui aussi il grince, donc je sais pas. Après, tu peux peut-être le vider ton micro, gros. Je pense.
On l'entend un peu, ça va, c'est que j'ai un micro de très bonne facture parce que putain, moi je l'entends. Si j'avais du mal dedans, ça me défoncerait en fait. Les vibrations seraient terribles. Bon, l'autre va. Oh là là, regarde là. Elle a ses petites manières. Deux. Et oh. Elle peut prendre le saignement et quand même se prendre les deux coups après, et ça, I think that's beautiful. Elle va bientôt faire son coup fatal là, non? J'adore ça. Ne pas avoir d'œil, ne pas avoir de gestion des distances. Ah ouais, mais le timing, oh, il est chaud le timing là. Elle reste 12 ans en l'air là. Je vais l'enduire d'huile d'olive. Oui, parce que là il n'y a plus trop d'huile de tournesol, mec. Je pense que tu serais un peu mal vu dans la société si maintenant tu mettais de l'huile de tournesol sur ton micro. La gestion de distance, raison pour laquelle je suis passé sur un build magie plutôt que cac. Oui, parce que tu voulais pas jouer aussi. Tu voulais juste tout gagner, quoi. Oh yes, elle m'a pas touché avec ça, c'est une grande victoire. Ça veut dire que j'ai réussi à jauger à distance, parce que je n'ai jamais réussi auparavant sur cette attaque. On rappelle, hein. Il fait bon le dire. Bah oui, attends. Moi, je suis ton pote, tu vois. C'est quoi cette affaire-là? Elle est barjouelle. Ah oui, celle-là. Voilà, il fallait bien que tu me touches, celle tricheuse. C'est le moyen que t'as trouvé. Hostie de tricheuse. Bah oui, bah maintenant tu fais que celle-là. Y'a que ça qui touche. Hostie. Viens. Fais ta pattern de chiasse là. Envoie-le-moi. Loin de cette face. Oh putain. M'a un peu bugué là. Mais ouais, non. En fait, t'es une meuf. Qui a un sup. Dur de gérer la distance avec juste un point blanc. Je trouve ça trop drôle que tu ne vois pas les ennemis mais tu joues au jeu quoi. Ça me fume. Que tu continues, tu sais. C'est incroyable. De toute façon, quand j'aurais réussi à parer cette attaque, elle est morte. Non mais c'est vrai. On peut le dire. C'est ça la vraie difficulté. Sinon tu vaux de chier en fait. Tu crois que je l'ai pas compris tes 5 attaques là? Non, en vrai il en a 1000, elle est plutôt cool. Je peux pas trop la rabaisser parce que j'aime bien donc. Et là je te stun, dommage. Oh et oh, elle se défend. Oh et oh. Elle me touche pas. C'est bon, j'ai la distance, je te dis. J'ai eu un petit doute quand même au début. Fais la suite. Ouais. T'as bien vu que ça marchait pas là. Je ne mange plus cette ripaille. Tiens. Enjoy ta vie. Oui, bah ça, c'est bien ça. C'est tellement une attaque sur laquelle j'ai envie de backstab encore une fois, c'est terrible. Besoin de la backstab. Besoin de l'humilière. Non, il n'y a pas de viscéral avec elle. Un peu déçu, peut-être à la fin. Oh non, là j'ai le timing là. Ah, on peut la... Ah, est-ce qu'on peut pas l'esquiver aussi? J'avais l'impression d'avoir le timing sur la riposte pour le coup, mais bon. C'est plus dur d'essayer la riposte que l'esquive en rien. Non seulement je continue, mais je réussis à avancer.
Let's go. Toi, t'auras vraiment fini le jeu comme un BG. Je regarderai toujours les VOD, mais je passe vite fait faire coucou. Salut, Lou. Merci de regarder les VOD. Aussi assidûment que tu le fais. Et merci de passer, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. J'ai passé un bon début de semaine, ma foi. Egg. Egg. Saloperie. Nouveau ça. Elle joue un peu dans le style du croc de limier hein, dans les moves. Donc bon, si c'est pas un clin d'œil au fait que ce soit l'arme la plus craquée de l'histoire des Souls, parce que c'est hein. C'est pas vrai en plus, il y a eu bien pire. Oh, elle a bien pris dans le gosier celle-là. Ah putain, là elle me touche quand même. Saloperie, va. Je croyais que je l'avais la distance. Mais tu vois un mec qui fait ça devant toi. Aucun respect en fait. Ça va? Bolos. Et je te hais en fait. Ah, l'attaque en courant elle est horrible avec cette arme. Enfin non, elle est très bien en PVE, mais en PVE pas boss quoi. Pas elle en tout cas. Elle est trop lente. Ça part tellement vite cette affaire. Non mais ça va. D'ailleurs une grande part de RNG et ça c'est assez rigolo. Pour la repay Bailou. Comme on dit pas du tout. Allez là, je veux juste essayer de parer ton attaque de chasse là. Je m'en fous de ta première phase en fait. Tout le monde s'en fout ici. Pas que les gens ils payent des subs pour ça. Comment ça les connaître là? T'es facétie. Putain mais pitié. Elle a regagné tellement de vie là. Oui bah là c'est bon, là maintenant j'ai arrêté là. Je suis déstabilisé psychologiquement là. Alors? Non. Ça c'est très bien, j'aime beaucoup. Je suis fan de celle-là. Celle-là par contre je... En fait il faut que tu sois au courant que je la déteste celle-là. Parce qu'elle est unfair. Oh la petite esquive en pas en arrière là. T'attendais pas à ça? Pourquoi je tente des trucs comme ça alors que ça marche pas ce que je fais de base? Je ne sais pas. Je suis un cerveau qui a besoin de distraction. Distraction! Putain! De 10 tractions. Pas une de plus. Tu fais pas ta merde là par hasard. Oui, j'ai plus envie de sauter, de toute façon ça sert à rien. Fais ton attaque de débile là. C'est pour ça qu'on te paye en fait. Mais elle le fait plus quoi, ça n'existe plus. T'es une saloperie hein, tu le sais ça. Une fasciste en plus de ça. On peut être un fasciste avec une saloperie, apparemment. C'est quoi ça? Ok. Non, ça non. En fait. Non! Eh oh, t'es agité là. Elle aime bien. Tu vois, elle a pas réussi à me mettre de coup de pied, ça énerve. Ça l'énerve vraiment ça. En fait elle fait sa to-do list. Si elle tape pas tous les coups. Elle a ses objectifs quoi de fin d'année. Tellement satisfait quand ça me touche pas cette chiasse. Et alors?
franchement. Ça s'esquive plus que ça se part, hein, cette chasse-là. La parade, j'ai pas compris, j'ai eu l'impression d'avoir le timing et je l'ai pas eu, donc... Peut-être mieux jouer la roulette. Putain, tout ce qu'elle a récupéré de viso. Vas-y, que je me gave. Le problème, c'est ceux de Mickey là qui se gavent. Mais non! Mais pas deux fois! Mais pitié quoi! On comprend pas ça! J'en vois pas! À un moment elle le fait pas pendant 20 minutes, et d'un coup elle te le fait quoi. Deux fois de suite, hein, presque. Elle est malade en fait. Je comprends pas son script. Ça reste un mystère pour l'instant, mais je vais le comprendre à force, hein, mais je vois pas là. Je vois pas le fonctionnement, ça me trouble fortement. Non, ça va. Ça va en vrai trop bien. Ça va parce que j'ai l'impression que... Elle est plus très dangereuse, sauf sur une attaque en fait. Genre vraiment, elle me tue sur juste l'attaque enchaînée là, qui est terrible hein, d'ailleurs. Sinon, en vrai, j'ai l'impression quand même que ça va quoi. Elle est maîtrisée, tu sais, je lui frotte la tête là. Je leur prends en clé de bras et je lui frotte la tête. En vrai, elle a deux attaques qui touchent. Souvent. C'est l'enchaînée là, bah, la terrible. Et puis l'autre où elle fait des gauches-droites là très rapidement. Qui sort très vite aussi. C'est deux attaques un peu terribles pour l'instant. Mais elle a que ça en fait. C'est tout ce qui la sépare d'une mort terrible et humiliante. Et le fait aussi que je tente des trucs. Genre celle-là là. Et zoom. Non mais alors, par contre, il y a clairement un sens de l'esquive que je n'ai pas, hein, si c'est en esquive. Je sais pas, je suis toujours tiraillé. Depuis qu'on m'a dit que je pouvais la parer, j'hésite, mais bon. Après, peut-être juste prendre son tarif. Le problème, c'est que moi, je serais la stratégie, bon, tu prends le tarif sur cette attaque. Si elle la faisait pas de manière anecdotique, enfin, pas anecdotique du coup. De manière unilatérale quand elle veut quoi, sans devoir s'expliquer devant le conseil de l'ONU. Je vais renforcer de ouf là. Bolo ça va. Ciao Pastelos, les petits dindons. Il est toujours là le Spiwe. Spip. Spip. Spiwe, The Forest 2, c'est quand? Putain, envie de The Forest 2 là. The Forest 2. Déforestation. Bah déjà, je passe en dessous. On peut pas en fait, parce qu'il y a une hitbox qui fait la taille de Chicago. Bon, c'est la petite spéciale de Miyazaki. Voilà, on fait des hitbox avec notre fion. Quand il s'agit de coder les hitbox, on tape le cul sur le clavier, ça va plus vite. Ça économise des heures de boulot, bon. C'est quoi ce pattern là? Commence pas, hein. Commence pas à faire des enchaînements chelous là. Mais je peux pas passer dessous, c'est extrêmement frustrant. Eh oui. Putain mec, The Forest 2, mais je te jure en fait, envie de The Forest 2. Florence Foresti se lâche en one man show. Mais il sort quand? Dans pas longtemps? J'ai l'impression que ça fait longtemps. Non, pas longtemps. Ça fait un moment qu'il doit sortir, dans pas longtemps. Ce qui m'inquiète le plus pour l'année où j'atteindrai ce boss, c'est qu'elle a un modèle proche du type d'ennemi que je ne vois pas. Donc il y a un risque qu'elle soit aussi invisible. Ah! Ce serait drôle en vrai. Ça, tu m'en feras un stream par contre. M'aligner en invisible. Bon, après, avec la magie, ça peut durer 2 secondes 5, mais. Et non, je te stun en fait. C'est ça l'audace des grands. C'est pas vrai ça. Tu tapes dans le dos, t'es une lâche.
Alors que moi. Meuf, t'as une attaque en fait qui bloque le fight. Arrête. Mais là c'est parce que je suis impatient, mais j'ai juste envie de comprendre son attaque. Parce que même si je finis le fight sans avoir compris comment j'esquive ou je pars son attaque, ça va m'énerver par contre. Je veux comprendre la logique. Il y en a forcément une, mais je l'ai pas. Mais arrête un peu. Elle continue, encore plus fort. J'ai fait un aller-retour. Incroyable. Yo. Tiens là, elle a pris une baffe un petit peu sur le dernier coup. Bien sûr, elle triche pour regagner de la vie, pourquoi pas. Allez. Bon, je fais n'importe quoi de toute façon. C'est pour ça que je joue magie. Oui. Octobre 2022 pour The Forest 2. C'est moi, il se passe la même chose en boucle là. Moi qui lis le chat, qui me heal à distance, elle qui fait la même attaque. Ça a pas fait ça genre 4 fois de suite. Essayer de juste courir dans l'autre sens. Je sais pas si j'ai pas essayé et que genre elle a zoomé sur moi d'un coup. Vous êtes prêts, je me heal pas et je finis le fight comme ça. Et après je joue au loto le lendemain. Je vais essayer de juste courir dans l'autre sens. Mais justement, c'est une technique que j'ai un peu essayé. Quand je la jaugeais un peu au début. J'ai essayé de courir, voir si ça permettait d'esquiver les attaques, comme souvent sur les boss. Mais elle te fonce dessus comme une malade. Donc si elle le fait sur toutes tes attaques, je me demande si elle le ferait pas sur la grosse attaque. Malenia ou alors cours Jean Jaurès, 38 000 Grenoble France. Le plus long cours d'Europe, ouais. Globalement. Avec moult tacos dessus. Le cours d'Europe avec plus de tacos dessus aussi, je pense. C'est quoi cette horreur là que tu me fais? Oh, genre, je peux pas te stun. J'adore parce qu'il y a des combos, je les ai même pas vus en entier. Genre, celui-là, je l'avais jamais vu le faire en entier. J'ai fini fight sans me heal. Bah oui, j'ai gagné en fait. Ah oui, j'ai atteint mes objectifs. On dirait un commercial, c'est dans une boîte. Non mais j'ai atteint mes objectifs hein. Vous avez mal compris mes objectifs, madame la chef. Malenia. Son nom de weed là. Mais soyons sérieux, laisse-moi te stun. Laisse-moi te stun. J'ai pas couru dans l'autre sens, Spiwi. Spiwi, j'ai pas couru dans l'autre sens. Spiwi. J'ai pas eu le temps. Elle le fait entre le fromage et le dessert, là. Bon bah sinon je vais plus essayer de comprendre hein. Je vais juste le prendre dans la tronche, l'esquiver un peu comme je peux et puis continuer comme ça et espérer que ça me suffit à la battre, qu'elle le fait pas en boucle. Mais vraiment la fois où elle l'a fait deux fois à genre 30 secondes d'écart, ça m'a un peu traumatisé j'avoue, j'ai peur qu'elle le fasse tout le temps en fait. Et à ce moment là le fight est juste impossible. Saloperie, c'est quoi ce combo encore là? Je l'ai jamais laissé le temps de t'exprimer, du coup je sais pas c'est quoi ces opinions. C'est quoi ces combos, c'est quoi ces ambitions pour l'avenir, tu vois ce que je veux dire. Non mais là je joue mal parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'attendre en fait, d'avoir le coup interdit. Mort. Ah pas mort. C'est une opportunité que le seigneur m'a donné là de me racheter. Petit saut là. C'est tellement généreux sur certaines
j'ai pas le temps de partir dans l'autre sens en fait. Tu te rends compte de ça? Ça dure tellement longtemps en plus. C'est vraiment une attaque de Sekiro de whip ça. Hein. T'as rends compte de ça qu'il y a une whip en fait. Une whip avec un reskin. Mars attaque aussi putain. Full fight sur deux attaques, c'est un peu triste quoi. Oh là là. Oh là là. Ah. Elle a retenu son coup. On dirait ton père qui te fait ça va partir là hein. Oh non mais c'est pas possible, elle le fait mais random. Pas possible quoi. C'est quoi cette logique, je ne comprends pas. Un peu de la chiasse quoi si vous voulez mon avis ça comme mécanique. Je passe à de la difficulté en fait hein. Ouais bon. Oh putain c'est mieux sans lock pour celle-là pour le coup. Bon après le problème c'est plus que voilà avec avec de l'estoc c'est un peu dur sans avoir la caméra lock quoi. Mais pour l'esquive c'est mieux en fait hein. En même temps je découvre ça alors que je le savais depuis longtemps mais... Je sais pas, je pensais pour elle que ça pourrait être pas mal d'être lock. Autolock, location d'auto mec. Ah. Arf. Urf. Le combat de l'éternel midlife. Non mais ça va là, mais c'est pas trop ridicule ça. 2022 pour voir un boss qui fait deux fois la même attaque. De suite. Oh là là, c'est dur ça. Mais encore, mais j'hallucine en fait. Je comprends pas, je comprends pas faire un boss qui ne repose que sur une difficulté quoi. Comme le débile de Mog là, avec sa mid-phase. Je comprends pas l'intérêt. Bah je sais pas, il faut à tout prix que je sache comment l'esquiver. Pour l'instant je n'ai pas trouvé, ce qui est un peu tristoun. Petit saut là, ça va lui apprendre ça. Quand t'as un mec qui arrive en sautant dans ton arène, déjà t'es intimidé un peu. Oh là là. Commence mal. Oh, ça finit bien. Je peux l'interrompre ça? Ça peut être une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat ça hein. Bon alors après elle le fait quand elle a 100 mètres donc compliqué mais. La régène est juste de la difficulté artificielle sans, elle resterait compliquée à faire mais avec elle décourage, j'ai même pas envie de la tester. Ouais, mais en vrai, la régène, genre, je trouve ça pas mal comme mécanique, franchement. Je comprends aussi, ceci dit. J'avoue que pour l'instant, je bloque plus sur l'attaque magique, là, que je ne comprends pas. Mais c'est parce que je la comprends pas. Mais je vois aussi pourquoi ça peut te démotiver, mais... Moi, ça m'irait, ça, c'est juste, voilà, qu'il y ait une attaque qui tue le fight, ça, je le comprends pas. Genre, la difficulté qui tourne autour d'un seul truc, quoi. Surtout que c'est une attaque que, enfin je sais pas, qu'on n'a jamais vue dans ces jeux-là. J'ai un peu de mal à l'appréhender en fait. Alors pourtant, je les connais un peu quoi ces jeux. Mais je vois pas trop ce qu'il attend de moi là. Parce que je me dis ça peut être esquive, mais à ce moment-là, où quoi? Dans quel sens l'esquive? Genre ça va se deviner dans la douleur. Il va falloir que j'élimine les possibles, genre un coup je vais à gauche, un coup à droite. Et puis bon.
Il va falloir deviner l'esquive pour chacun de ses coups. Elle en fait 4-5 je crois. Donc ça va être un peu douloureux. Après on va parler d'une parade, alors ça réglerait le problème, je pense que ça l'interrompt tout de suite. Mais j'ai... Je sais pas. Peut-être je peux réessayer la parade là sur ce coup-ci. Parce qu'il y avait un moment j'avais l'impression de l'avoir eu mais que ça avait pas marché, mais bon. Si on m'a dit que ça marchait, ça peut pas marcher. Je ne l'ai pas eu tout simplement hein, finalement. Elle m'a eu avec son coup de pied. Ça fait si peu de dégâts zo. Celui-là aussi. Aïe aïe. Ouais bah chacun son truc Arius. Moi la régène en soi ça me dérange pas parce que c'est un truc un peu ça change quoi tu vois. Il n'y a jamais eu ça trop dans les boss donc pourquoi pas innover un peu. Après bon mettre des patterns de Sekiro par contre ça j'avoue je comprends pas trop le délire. Mais je dis ça parce que je l'ai pas compris encore une fois hein. Quand j'aurais compris le coup je pourrais me l'expliquer. Ça ira mieux. Puis, par contre, le fait que ce soit un sac de PV, ça j'avoue que... Elle est mog là, sur ça. J'ai un peu de mal à l'accepter, mais on n'a pas trop le choix. Parce qu'il y a même pas de sens, en termes de lore, qu'ils aient beaucoup de PV, tu sais. À la limite, Midir, tu vois, bon c'était chiant, mais bon, le truc c'est un dragon qui fait la taille de Grenoble, littéralement. Donc bon, tu te dis, ok, il a beaucoup de vie, quoi. Mais là, cette chiasse là que je peux stun avec des coups... Pourquoi il est 1 milliard de PV en fait? Ce monde des dieux et des demi-dieux, on en tue dans tous les jeux. Pas pour autant que c'est des sacs de PV quoi. PV! Attaque jeu là et globalement mais même quand tu fais l'esquive au bon timing tu te fais quand même choper sur le premier coup. Quel enfer. Niveau lore ça a du sens, ce sont des demi-dieux. Ouais mais bon t'as toujours des demi-dieux, t'as toujours des dieux dans ces jeux là. Ça va du coup, Tim, c'est tranquille ? Passez un bon début de semaine ? Celle-là, il est inesquivable. T'as pas le temps de faire la deuxième roulade, malheureusement. À mon avis, faut aller dans le dos. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais. Ah oui, bah tiens. Allons bon. Début du partiel. Oumf! C'est vrai que c'est la période là. J'ai plus la foi là de m'en retaper ad nauseam la première phase, j'avoue, enfin la première phase, la phase en fait, le combat finalement. C'est des partiels dans quel domaine? C'est dans quelle étude? Par curiosité. No drop name. Oui. Après, je suis presque à la fin là, je pense, mais bon. Tu fais bien de le dire. En fait, j'ai du mal à savoir combien d'heures de gameplay j'ai loupé. J'ai dû louper une des grandes zones. Quand je vois comment t'en trouves certaines. Bonne nuit, mon tarot. À la prochaine. Ouf.
Ça va. Oh, ça va pas. Non, mais là, elle va bientôt faire ça le truc ou pas là. Oui. Non mais ça va. S'il te plaît quoi. Non mais. Pitié en fait. Pitié en fait. Non, mais... Oh. Ça va là. On a fait 10 jeux de From Software pour en arriver là. Non mais. T'as littéralement, je sais pas, 20 coups dans ton arsenal. Fais ta chiasse là, je veux juste... Tout ce combat là, à chaque fois, c'est juste pour qu'elle me fasse ça. Et en courant du coup. Ah oui, d'accord. Ah, quand même la fin. En même temps, ça dure tellement longtemps. Les doubles marteaux. Je l'avais pas un peu testé au double marteau, elle, ou pas? Non, peut-être pas, je l'avais enlevé pour Mog. Je sais plus. Donc les coups de double marteau sur le snoot. Mais je pense que ce sera moins fort, c'est pas le saignement. C'est un peu la tristesse de ce jeu. Tu prends deux marteaux, hein, qui demande 60 de force, soit je sais pas combien, 50, 40. Tu tapes moins fort qu'une épée desktop, quoi. Qui pique un peu, quoi. Qu'une piqûre de seringue à vaccin. Et saloperie. Ouf, j'ai eu peur. De moi-même. Elle allait refaire. Encore celle-là. En boucle, en boucle, en boucle. Non mais. Et elle est buggée ou quoi là? Mais statistiquement, tu fais que ça sur ce combat. Non mais ça. On va tout péter là. Tu m'as abusé. Ah bah oui, bah tant qu'à faire. C'est débile, c'est juste en courant qu'il faut esquiver. Bah merci Spiwi pour l'astuce hein. Je voulais simplement souhaiter une bonne soirée mais je reste. Ok. Original. Ah bah encore une fois, j'allais dire, c'est quand que tu me la refais quoi. On a la réponse hein. Je fais n'importe quoi là. Bon, de toute façon, on était à mid-life donc. Elle me l'a fait une attaque sur deux au moins, je pense. Surtout, je sais pas ce qui le déclenche. Ça doit être la portée où je suis. Je suis peut-être pile dans la range où elle a un choix limité d'attaque, dont celle-là. Du coup, elle la spam de ouf. Au pire les gars, fallait pas mettre d'autres attaques hein, juste ces deux là. Le boss était aussi dur. Et franchement, c'est... Mais, non mais, c'est pas possible. Genre, j'ai l'impression de jouer à un jeu de PS1 quoi. J'ai l'impression de jouer à Dark Souls 1. Hein. Genre t'as des boss qui ont des patterns qui se répètent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ils se sont dit que ça allait se voir. Non mais surtout elle a tellement d'attaques. Ça je comprends pas, elle a tellement, elle fait toujours ça. Mais regarde. C'est tellement insupportable. Je suis d'accord qu'il peut y avoir aussi un biais cognitif, je sais pas quoi, en mode y'a que moi qui vois ça, mais genre littéralement des fois elle l'a fait 3-4 fois de suite. Et ça je comprends pas.
Tiens, bah là. Prendre dire que je suis dead. Eh ben. Il a survécu, mais bon, elle a récupéré toute sa life. Mais en vrai, je suis sûr que tu fais des statistiques, ce que je dis est ridicule. Mais c'est le ressenti que j'ai des fois. Alors là, par exemple, elle s'est calmée, mais. Moi, ce qui me choque, c'est quand elle le fait, tu sais, en boucle. Merde. Non, mais ça va. Mais. Oh, mais. Ça peut durer plus longtemps, ta chiasse là. Bon, là, de toute façon, autant que tu me butes, hein, de toute façon, j'ai rien que te dire. On est reparti au début là. J'ai 4 fioles. Qu'est-ce qu'elle regarde là? J'ai l'impression qu'elle regardait dans mon âme directement. NG+, elle doit être un peu insup, non? Vu que tu dois pas faire vraiment beaucoup de dégâts supplémentaires, elle doit avoir plus de dégâts, plus de vie. Ça va être. Ça va être funky! Bah vas-y, sur toutes mes roulades, je t'en prie. Elle me regardait via la caméra, c'est ça. Ouais, ça je... Je le prends, et je sais que je vais le prendre malheureusement. C'est le prix du grid. Ça nous fait là. Quand elle fait ça, j'ai peur qu'elle fasse son attaque sautée, mais je pense pas que ce soit conditionné à ça. Je pense qu'elle peut faire son attaque sautée n'importe quand. Même quand t'es proche. Comme elle l'a démontré bien avant. Ouais, bah cette chiasse, de toute façon, y a pas de portée limite hein, pour ça. On a compris que c'était ton kiff. Non mais là, qu'est-ce que... Comment tu veux avoir le temps de t'en dégager de cette attaque? Y'a rien, y'a pas de signe avant-coureur qu'elle va le faire quoi. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de suite à celle-là d'ailleurs d'attaque. Mais là. Là tu m'as bien eu, je dois le dire. Hein. Merci Seigneur. Franchement c'est un enseignement. L'enfer. L'enfer. On pense aux pauvres builds de force quand ils sont arrivés contre elle. Avant qu'ils soient améliorés par les mises à jour là, c'est. Oumf quoi. Me faire ton truc là, je le sens. Non. Ah ça voilà. Ah là, attends. Si tu n'es pas sûr de me toucher, ce n'est pas intéressant. Et la saloperie. Oh, ce combo là. Je t'en supplie, Seigneur. Là, elle va refaire sa merde, là, je le sens bien. Non? Bizarre. Bizarre! Bise bise! Non mais. Remarque, ça fait très joueur. Le joueur qui spam une attaque qui fonctionne. Bon, c'est un peu un petit côté PVP quoi. Mais là, je suis surpris qu'elle fasse toujours pas son truc par contre.
Elle va le faire à un moment qui va être terrible pour moi. Elle fait monter la tension, on sait pas quand elle va le faire. Mais petit à petit, elle regagne des PV, hein, elle grappille avec ça. Ça te démange, là, t'as envie de le faire, t'en peux plus, tellement t'as envie. Ah bon. T'as tellement envie de le faire, ça se voit dans ton regard. Pas quand je suis contre le mur, par contre, s'il te plaît. C'est très bien ça. Je la pique un peu quoi. Je lui mets des petites doses de vaccin comme ça là. Quand elle s'y attend pas. Je commence à faire pas mal de doses. J'ai deux doigts de partir en courant là. J'ai envie de tenter une attaque sautée mais c'est débile. Mais c'est ta seule chance de survie là de me faire ton attaque. D'accord. Oh non, pas une deuxième phase hein. Arrête tout de suite. J'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir une deuxième phase. La tronche du casque devant. C'est où qu'on a vu ça déjà ? Une fleur comme ça. C'est quoi, c'est le foyer du chaos? Oh pitié. Ils ont tous des ailes. Stylé. C'est Naruto. Moi, je prends un carreau là, une balise dans la tronche et fini en fait. C'était un prank. Aïe aïe aïe, on va devoir se retaper la première phase à chaque fois. Mais je vais pas le faire ce boss en fait. Finalement. Bien sûr. Je sentais en plus, mais bon. Je suis allé dedans. Aïe aïe, ça fait des dégâts! Excuse. Malenia. Prends la vie qu'elle a. Prends les clamsers. C'est toujours ça. Ils ont gardé le meilleur quand même. Ah, ils ont rajouté du mieux. Il y a une AO, j'imagine. Ah non. La musique a l'air cool. Non mais ça va! Connasse, tu veux pas changer ton script au moins? Super agressif. Ah, les petites AOE là, avec des petits papillons. Les papillons menaçants. Les premiers de l'histoire du jeu vidéo. Qu'est-ce que... Non hein. Ok. Mais là elle est à poil, elle va pas prendre plus de saignement peut-être? Elle est en ski bar là. Elle est plus rapide non? Oh saloperie. Nul. J'ai plus de fiole meuf en plus. Arrête-toi. Elle peut avoir une troisième phase hein. Bon je préfère pas vous angoisser trop mais... Ta deuxième phase. Pour l'instant, t'as qu'une seule attaque qui me touche encore, c'est la même que la première. Hein. Je prends gaffe, celle-là, là, exactement. Tu as bien trouvé. Bien l'outil avec celle-là, eh.
Oh putain. Putain, il laisse même plus les coups quoi. Ah ouais merde, c'est ça. Bah je suis dead. Oh putain. Le 1 PV est réel. Incroyable. J'avais pas vu venir en même temps. Non, j'étais dedans. C'est quoi ça? Arrête. Oh. Oh. Bon, je suis mort, mais sur une attaque qui était très jolie. Donc pourquoi pas. Ah, j'ai pas envie là. Mais alors, question encore une fois. On va dire que je suis un rageux. Quel est le besoin que cette première phase dure aussi longtemps s'il y en a une deuxième? S'il y a une troisième phase, autant se défenestrer. Je rentre dans biais. Non, mais voilà, bien sûr, c'est au début. Putain. Et cette première phase là, elle va être longue, hein. Ressenti 1000 heures. Là, vraiment, je pense que je suis grand-père, en fait. Hein. Si mon gosse a un an aujourd'hui, je serai grand-père d'ici à la fin du fight. Hein. Je suis grand-père... Même arrière-grand-père, tu sais quoi. Ah, mais elle m'a saoulé en même temps, là. C'est pas possible. Oui, mais là, c'est pas de la difficulté, là. C'est de la débilité, quoi. C'est genre... Enfin, je sais pas, c'est exactement, personnellement, la limite que j'ai toujours trouvé intéressante chez les jeux de FromSoft par rapport à, aux copies des jeux de FromSoft, c'est que eux, la plupart du temps, il y a des exceptions bien sûr, c'est une difficulté qui n'est pas liée à la barre de vie ou aux dégâts du boss. C'est plutôt lié au fait de devoir apprendre ses patterns, machin. Et là, je suis désolé, mais entre Mog et elle, j'ai l'impression que la difficulté, c'est la durée, quoi. Parce que c'est genre, bon, plus ça dure longtemps, plus t'as de chances de faire des erreurs. Parce que, enfin, voilà quoi, je suis désolé, elle est pas... Elle est pas forcément dure à maîtriser quand t'as compris. Il y a genre 2-3 attaques où tu te fais choper, forcément, parce que... Même si t'arrives à bien la jouer, tu te fais forcément choper de temps en temps, tu la relâches un peu la tension. C'est une guerre d'usure, bon. 14-18, ça a marqué Miyazaki, bon. C'est ça, c'est de la patience quoi, bon. Je pourrais jouer un 4x aussi, hein. Mais en plus, c'est dommage parce que j'ai envie de les aimer. Parce que j'aime bien leur... j'aime bien les idées, j'aime bien leur move et tout. Je trouve que c'est très beau comme combat, les deux. Mais voilà, je suis juste pas en accord avec le... avec la façon dont la difficulté est implémentée, quoi. Après, c'est personnel, hein. Je pense que ça doit être le boss préféré de beaucoup de monde, Michaela. Je le sens comme ça, là. Comme c'est une weeb avec un katana, au milieu des fleurs. J'ai envie de les aimer. Ça me fait pas plaisir de trash un jeu From Software, putain, ça me fait de la peine. Ouais, c'est toujours délicat, c'est quand t'es en train de perdre contre un boss. Tu dis des trucs comme ça, tu dis toujours les gens ils vont penser que je rage juste. Mais enfin, bon, j'essaye de vous rassurer, c'est pas que ça quoi. C'est pas parce que je suis bloqué, même quand je l'aurais passé, tu vois, j'aurais pas forcément le sentiment de... Ouais, non, j'ai abusé, j'ai ragé et tout, mais en vrai elle est stylée. Je pense pas en vrai, hein. Je pense que quand je l'aurais fini, je serais en mode ouais, bon, ok. Je fais n'importe quoi là. Il dit pareil quand il meurt face à des PQ, c'est ça. Ouf. Mais alors elle, en... Comment c'est Elden le... C'est quoi c'est Éclat level 1? Je sais pas comment on dirait. Rune level 1, le challenge doit être horrible sur elle.
tu vas tellement rien lui faire de dégâts. Rune level 1, c'est Ah non, c'est ça déjà. Bon, ok. Oh bah excuse. Ah bah excuse. Rune level 1, c'est quand tu n'augmentes pas de niveau de tout le jeu. Ce qui est toujours un challenge que moi j'aime beaucoup dans ces jeux-là. Mais là j'ai... Elle, bon c'est un boss optionnel après, donc ça va, tu la fais pas je pense tout simplement, mais... Même si t'essayes, ça doit être... Bah faut de la résilience quoi, faut poser tes jours de congé et te dire bah voilà, c'est la partie du challenge où je passe deux jours quoi. Après remarque, c'est quand même un boss je pense, où quand tu l'as assimilé, si t'es très concentré, si tu fais attention, je pense qu'elle te touche pas en fait de tout le combat. Alors que Mog, pourquoi il doit te toucher ? Avec tout son feu dans tous les sens là. Ça doit être plus dur. Bonne soirée, bon courage, merci, ça fait plaisir. Bonne soirée à toi, merci de passer et bon courage pour tes partiels surtout. Force à toi. Aïe ! Ouf. Ouais. Il y a un mode berserk qui rajoute Guts comme boss. Sérieux ? Il remplace quelqu'un genre ? J'ai tellement hâte des modes sur ce jeu, ça va être ouf. Vu la communauté, vu le succès commercial, ça va rajouter tellement de modeurs. Je suis grave saucé d'avance. Ah mais ça c'est terrible cette attaque, parce que si tu fais le mauvais choix au début, tu sais que tu vas te faire toucher. Il faut que j'esquive en avant en fait, sur le côté droite. Bah ouais, bah, je vais le prendre dans la gueule. Bah oui. Non, elle est en plus 9 mon arme. Que je suis un radin. J'avoue, je pourrais changer d'arme si essayer. Je veux dire, il y en a plein des armes qui font du sang, du saignement. Et quoi, vas-y, on peut changer si vous voulez. Tant qu'à faire. Eh, bizarrement, elle fait pas du saignement. Oui, je dis juste ça parce qu'elle est rouge, c'est un peu du racisme contre les armes là. Sommeil, je sais pas si ça marche sur elle. Ça doit être un peu naze, non? Parce que dès que tu la touches, ça la sort du sommeil, il me semble. À moins que tu lui envoies un gros sort dans sa tronche. Ça, c'est une dague! Pas les dagues! Bon, en termes de trucs des stocks, j'ai pas envie de mettre autre chose, de toute façon. Épée courbée de charognard. Fais-moi voir ça, mon brave. Une petite épée de chasse, là. Ok. Donc il y a ça. Il y a ça, mais non. Ça, on a dit non. Épée maudite de Morgoth, là. Ça demande de l'ésotérisme, en plus. Oh putain, c'est long. Alors. Je la touche avec ça ou pas? Franchement, elle est jolie, l'arme. Hein. J'ai envie de l'essayer juste parce qu'elle est jolie, mais je suis pas sûr que ce soit plus opti. Oh, l'Ushigatana! Ce serait vraiment un combat Weeb contre Weeb. Ce serait incroyable. Mais c'est encore des coups qui m'arrangent pas trop ça non contre elle. Du poison si ça marche. La météorique intelligence. Ah oui, c'est un katana encore. Ok. La faucille fourchue. Oh putain, mais alors ça. Je sais pas en fait si elle te laisse donner plus de coups. Ou pas. Si c'est toujours 3 coups, je perds un peu au change quoi. Réprouvicide. C'est dead. Après on a les bonks. Oh, ça doit être fort ça. Les gourdins c'est toujours sous-estimé, ce jeu-là c'est toujours fort. Yo Fortium! Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je vais juste faire une pause un petit peu, me lever, prendre un peu d'eau, tout ça, bouger. Ça fait 2h30 de stream, 2h48. Je pense qu'il vaut mieux que je bouge un peu. Plutôt que mourir sur ma chaise. Elle est pas mal celle de Morgoth. Bah, en vrai, je pense pas que ce soit la plus optimale. Mais juste, elle est jolie, du coup j'ai envie de la prendre, c'est con. Hein, mais ça marche quoi, le marketing marche. Bon allez, je reviens dans 2 secondes.
Les boys, la team, et les girls, et les autres. J'ai mal aux épaules, je sais pas, je dois me tenir penché en avant là, c'est terrible. Je le paye cash. C'est le vieillage. C'est quoi le move de ça? Ok, c'est éclater les oreilles du joueur. Plutôt stylé. Il y a quoi d'autre? Il y avait celle-là, la classico. Morgenstein. C'est quoi ça? Fléau, les fléaux! On a pas joué avec les fléaux! Ça va être naze, non? Après, c'est drôle. Le concept est rigolo, quoi. Oui. Et ça, elle en dit quoi de ça, elle? J'avais oublié qu'il y avait ce move là, je voulais jouer avec à un moment. Le move hélicoptère. Il est infini en plus, c'est incroyable. Oh! Putain, j'ai pas joué avec le fléau, avec les fléaux. J'ai oublié un petit peu. Ça, c'est du fat gourdin. Oh putain! Et tu sais que ça t'habite en vrai? Franchement? Ça tape très vite pour une arme aussi lourde. Pas abusé. En vrai, la solution, c'est pas forcément changer d'arme, hein, j'en suis conscient. Mais ça peut être une occasion de tester autre chose, quoi. Genre l'épée maudite de Morgoth. 65 saignements, alors que l'autre, c'est combien? 68. Bon. Ça va être les mêmes stats, hein, globalement, je le sens. Ça va être la même arme, en fait. Ah, elle demande quand même 35 de dex, celle-là. Et pourtant, est-ce qu'elle cancée? Bis-bis. C'est tous les types d'armes possibles. Bah, c'est maintenant ou jamais, en même temps. Parce que je ferai plus jamais de run avec autant de loot. Enfin, quand je referai le jeu, j'irai jamais dans les catacombes, par exemple. J'irai jamais dans certaines zones. Alors que là, j'ai une abondance de thunes et de matériaux qui me permet juste de faire 50 000 armes différentes. C'est fou. Un fouet. Ouais, je pense que ça va être... Je pense que tu veux m'induire en erreur, là. Je pense que ça va être horrible, le fouet. Et tu le sais très bien. Allez, let's go. Attends, on est en plus 8 ou plus 9, là? Plus 8, elle est en B en dex, quand même. Non, elle tabasse un peu plus, je pense, à long terme, la FUA. Enfin, à court terme d'ailleurs, je vais améliorer. Oui, elle est meilleure. Oh, elle passe en D en force. Ah! Elle est quand même plus forte. Mais bon, elle tape peut-être moins vite. Tu vois? Oui, elle tape moins vite. Ouais, elle est un peu craco, on va pas se mentir. Ok. Et si je la mets en truc, elle passe en. Allez, elle passe en A en dex. Pourquoi ça arrête en si bon chemin? Non, même pas! Bon. Non, elle tape moins fort en vrai que l'autre. J'avais pas vu. Après, ça se fait peut-être mal, hein. Je sais pas. Moi, j'y crois pas trop. On va voir. Je pense que globalement, ça va être plus dur encore. Mais elle est stylée. Ce sera plus dur, mais avec une certaine idée du style, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je peux enlever le bouclier à la con là, non? Franchement. D'ailleurs, je peux peut-être changer d'armure si je le souhaite. Alors, l'idéal, ce serait que ce soit avec une armure meilleure. Ah oui, c'est vrai que j'ai looté ça. Elle doit être jolie cette armure, elle doit être lourde par contre, non? Je sais pas où elle est déjà. Chevalier royal, c'est? Ah ouais. Putain, je peux la mettre pour l'instant. Me voilà. Incroyable. Je suis sphique un peu. Alors, est-ce que... Comment ça tape d'ailleurs? Ok, ça va. Mais à une main. C'est plus rapide ou pas? Non. Same shit, same shit. Quel charisme. Oui. Je vais casser mon casque à la première roulade. Je vais me bloquer dans le sol. Je vais me planter. Oh putain. D'accord. On peut plus faire ça, mais bon, on se fait mal quand même. Et je peux plus enchaîner trois coups, quoi. Il est fini, cette douce époque est terminée, mes amis. T'as pas marre, là? Ah ouais, et puis je peux... Ouais, ok. Ça va pas être les mêmes timings d'esquive après des coups. Bon, je peux en mettre deux. 848.
Il va falloir voir aussi le saignement comment il sort. S'il sort en fait, ça va pas mal. Non mais là elle a pris le saignement, c'est pas juste. Salut XD Paout, j'espère que ça va bien. Nul à chier, ça fait 675. Dans ma grosse attaque, ça fait 675. C'est stylé non? C'est français. C'est nous fait là. Galipetto. Non, il va pas être long le stream parce que demain je tape. Oh, c'est tristoun là ce qui se passe. J'en ai esquivé une quand même. Mine de Crayax. Oh, ça va qu'elle touche à côté parce que. Enfin, elle frappe à côté. Ah dommage. Aïe aïe aïe, le saignement il fait plus mal avec celle-là non? Je suis ouf. Bon il est plus dur à proc hein mais. Ah non, j'avais pas compris. Exprime-toi aussi. Mais on peut discuter, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas le sentir comme ça entre le fromage et le dessert. Bientôt 23h, mais par contre je m'arrêterai pas à 23h hein. Trop bien, même si c'est ton rêve. Ok, donc voilà pour l'armure thick. Je sais pas, j'avais d'autres armures aussi qu'on voulait tester ou pas. Elle a des bonnes stats en vrai celle-là. Un bon rapport poids. Ah non, pas trop en fait. Si, si, si. Mais je peux tout mettre en fait. Je suis capable de porter des trucs. De port, on peut le dire. De port. Allez, on va se mettre en son ennemi là. C'est pas son ennemi juré ça? C'est ton ennemi dans le trailer de l'E3. Il est de retour. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Hein. Ouch! Ouch! Ouf! Pas honte de faire cette attaque. Donc il y en a qui crèvent en Afrique. What? Mais je l'ai jamais eu de ma vie ça. C'est quoi ce scandale là? Me expliquez-vous. Ah ouais bah là je suis mort. Il y a du mieux dans les esquives. Il y en a une, j'arrive toujours à esquiver, mais il y en a qui durent 3 quarts d'heure, du coup c'est un peu chaud. Normal avec une rapière. Bah non, pourquoi les rapières tu peux pas avoir? Je croyais moi que c'était un seuil de dégâts qui causait les viscérales. Je comprends plus rien. Les TikTok, tout ça, de toute façon, ça me parle plus. Je suis devenu vieux. Je comprends plus les combats dans les rings et autres. Ça, c'est vraiment de la merde, cette attaque. Mais elle est jolie, tu vois. D'ailleurs, ça dépend de son bon vouloir hein, qu'elle me touche pas pendant cette attaque, parce que franchement, je suis tellement exposé quand je l'avais. Oui, bah ça, ça t'amuse. Imagine. Ça c'est bien par contre. Pour la toucher quand elle tournicotille là. Aïe 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 aïe. Abusé. En fait je ne connaissais rien du saignement avec l'autre attaque quoi. Avec l'autre arme. Et je trouvais déjà ça abusé dites-vous. Dites-vous ben ça. 587. Oh, je peux passer à travers aussi. Hein. À ne pas négliger ça.
Oui. Toujours des barres de rire quand tu fais ça. Je m'en fous. Oh là là, mais what? Par contre, c'est animation basique contre les ennemis de chiasse, mais je peux pas trop leur en vouloir. Running boy! Oh, running boy! Ah putain! Ok, la dernière elle va un peu loin. Ah! La même chose. Je pense que c'est ça, mais avec la rapière c'est plus facile à proc. Oui, c'est vrai. Mais bon, là c'est tellement fort, j'ai l'impression. Bah bien ça. C'est tout ce que t'as proposé aux Français, j'ai envie de te dire. Je vais me faire raidir sans problème, ma pauvre. Le mec court vers toi, il te met juste un gros coup dans ta tronche. Ça t'empêche de vivre quoi, de faire tes attaques, tes trucs. La honte quoi. Je pense que c'est l'armure. L'armure elle a un buff contre elle, historiquement. Pas mal aussi comme ça là. Je vais mettre des gros trous dans sa tronche là. Des trous dans sa tronche. Non. Ah non, si tu as touché, je pense que je pouvais interrompre. Je vais bientôt prendre du saignement là. Prépare-toi psycho. Logiquement. Bon là je vois bien la petite pirouette. La petite pirouette cacahuète, figurez-vous. Où ça? Chaque fois j'ai peur de cette petite pirouette cacahuète honnêtement. Not gonna lie. Das pirouette. Oh oui, tu, heureusement qu'il y a le tracking. Ouf. Attends deux secondes parce que je me heal comme un con. Je sais pas si t'avais capté que j'allais faire ça. Je suis un peu un débile. La boule. Je me mets la boule. Attention, j'ai la boule. Ta gueule. Elle commence pas full live, Zo. Marrant comme la nature fait ça. Par contre, elle commence avec la pire attaque du jeu. T'es une tricheuse, vous êtes une menteuse et une voleuse. Bien, c'est la seule attaque avec laquelle tu peux me toucher quand je fais ça, let's go. Ah, en l'air cette fois. Elle est nouvelle celle-là, non? Je pense, hein, vu qu'avant elle avait pas d'aile, globalement. Non mais c'est ça. Mais de quel droit tu l'as fait dès le début? Oh putain. Bon, je suis bien sorti là. Je peux te toucher des fois? Merci. Faut s'imposer de force quoi, hein. J'ai pas envie de mourir. Et tu as touché. Une fiole les potes, elle est full life. Elle a plus de vie quand elle a commencé le combat. Let's go. Mais en plus cette phase elle est mieux quoi que la première. J'ai l'impression que ses patterns sont plus stylés. Je suis mort. Bon, je réessaye une dernière fois. Puis après on se casse franchement. Tant pis si je la fais pas. Je la ferai une autre run, un autre truc. Un autre jour, un autre monde. Il faudrait quand même que je finisse le jeu à force pour pouvoir en jouer à d'autres. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 3 mois que je joue que Elden Ring. Tous les streams, c'est Elden Ring. Il y en a qui doivent se sentir un peu tristoun, quoi. Pourquoi tu invoques pas Mimic Tyr? Je sais pas si je suis prêt à me rabaisser à ça, quoi. Oh là, je touche pas. Toujours les mêmes problèmes qu'avec la rapière, je touche pas du coup. Ah, ça se fait pas du bien ça. Hein. Ça n'arrive qu'aux autres. J'attends de pied ferme ta connerie là. Tu vas pas nous refaire là peut-être. Non mais genre, mais putain.
Allez, le timing est tellement serré en vrai pour se dégager cette attaque là. Oh oh oh. Une autre invocation. J'avoue la méduse là. Je pense que la méduse elle reste au bord du fight. Elle, pareil, la faïence tout risque, je pense que prend même pas part au combat. Mais voilà, mais là elle a déjà récupéré tellement de vie quoi. Elle a déjà plus envie en fait. Hein. C'est simple. Principe du boss, ne pas avoir envie de le fight. C'est comme ça qu'il gagne en fait. La vraie difficulté c'est que t'as plus envie de te battre contre lui. J'ai l'impression de faire un tableau Excel vraiment quand je me bats contre elle. Oh, c'est rare ça en vrai, elle le fait pas souvent. Dommage, c'est stylé quand elle le fait. Ah bah là c'est gavé. Là aussi. Les faillants touristes car ils sont nazes. Waouh! Je te permets pas en fait. Encore une fois? Je meurs. Bon, là c'était pas vraiment une vraie dernière fois. Je vais refaire quand même. On va quand même mettre la méduse. Ça me fait rire. Franchement, ça change le fight, c'est juste insane. J'y crois pas trop. On a tellement de boys, c'est vrai. Après, quand on a 1000, hein. Et elle là. Elle est que plus 7 la pauvre, donc bon. Elle est pas au max, en vrai je pourrais l'améliorer au max en plus. Pour lui donner quand même un vrai combat. Tu vois ce que je veux dire? Où est-ce que c'est? C'est à mon feu carrément non? Ça doit coûter de l'argent, connaissant Miyazaki, tout est pécunier. 6250, ça me paraît un peu... arbitraire comme niveau d'âme que ça te donne ce truc là, non? Attends, c'est où déjà? Ah peut-être que... non en fait, c'est où? Ah, c'est à la table ronde. Mec, j'ai fait ta technique, Xanagi. Tu vas être content. Ça n'arrive qu'aux autres. C'est là, du coup. Ah oui, c'est avec la fille. L'harmonisation spirituelle. Harmonise-moi le fiac. Allez. Qu'est-ce que j'augmente d'autre? Y'en a pas un autre qui est drôle? Cette merde ça. Lui je l'aime bien ce long boy là. Tu vois ? Long. Ah merde ! Putain ça coûte tellement cher. Je comprends à quoi servent toutes ces âmes maintenant. Mimic tir c'est drôle. Putain. Je peux pas m'y résoudre non, autant pas battre le boss que de le battre comme ça non, je sais pas. C'est tellement craqué ce truc là, chaque fois que j'en entends parler que bon. Alors que lui, bien sûr qu'il mérite d'être amélioré à 100%, attends. Mon boy. Il faut quoi pour l'invoquer? Je pense que j'ai pas ce qu'il faut en vrai. 62 PC, j'en ai combien? Ah si, je peux l'invoquer! Let's go! T'as pas une autre technique là pour aller rapidement là-bas, Xanagi? Sont là, les boys. La méduse. La méduse. Je pensais pas que sur ce jeu là, ce que j'allais découvrir principalement à propos de moi, c'est que je voulais un animal de compagnie méduse. Comment elle va elle? Elle zoome hein, elle a pas peur. Docker pour l'instant. D'accord. Tu peux faire quelque chose par contre s'il te plaît? Oh! Mais défends-toi ma petite, c'est pas comme ça que je t'ai élevé moi. Voilà, alors. Mais en plus elle prend vraiment l'aggro, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elle a tellement de vie par contre là, non? On est d'accord, quand on fait une invocation, le boss a plus de vie. Même si c'est une invocation de cendre, enfin de machin. Ridiculisé par une méduse, c'est choc. Voilà. J'adore comme ça la stun, je sais. Ah, je suis dead. Oh, je suis pas dead. Ah là, tiens. Alors, tu croyais qu'elle était plus là?
m'en fous. C'est n'importe quoi. Déjà ça me frustre là. J'imagine même pas que le mimic tire. Mais elle se fait stun à chaque fois qu'elle tire dessus. Non mais je pense que si, les cendres ils boostent les PV là, non? Ou alors, abusé putain. Je me rendais pas compte à quel point elle... Attends, parce que là elle va faire son truc au bout d'un moment, non? Je suis fumé, elle le fait sur la méduse. Me voilà fumé par cette affaire. C'est vraiment le personnage d'animé qui utilise 100% pour une personne qui n'en mérite pas 10 quoi. Non mais laisse-la tranquille par contre. Je peux la heal? Ou pas? Déjà avec la méduse c'est comme ça, mais n'importe quoi. Avec certaines invocations ça doit juste être unfair. En plus à chaque fois qu'elle lui met un petit coup, ça fait rien de dégâts mais ça l'énerve quoi. Chaque fois elle se sent concernée. Non arrête, là je me sens pas concerné. J'aime bien comme elle touche juste un peu mon fiac des fois. Non, oui, très bien ça. Ma petite, c'est comme ça que je t'ai élevé moi. Putain, elle prend le saignement. En plus elle lui fait du saignement dans la méduse si elle se trouve. Donc ça double build son truc. Salut Fraise Fury, j'espère que ça te chill. Vas-y méduse. Comment elle s'appelle déjà? Oh, elle m'attaque moi! Voilà. Oublie pas tes priorités, Malenia. C'est pas moi ta priorité. Allez, tire dessus! Voilà. Ah non, elle s'en fout quand même. Elle s'en fout ou pas? Elle est en train de bugger dans le mur là. C'est n'importe quoi. Ça dégage. Elle lui tire dessus! Le mieux ça aurait été que la méduse prenne la OE parce qu'elle lui a tiré dessus quoi. Reste pas dedans, tu vas mourir! Ah non! Mais oh, c'est la méduse là qui te fait du mal, non? Bien sûr, plus de dégâts s'il te plaît. C'est moi ou c'est elle? Oh, mais tu l'as défoncé là! Quelle ambiance! Quelle ambiance! Fait n'importe quoi là. C'est ridicule mais ok. Non c'est ça. Putain, mais à chaque fois je vais me faire avoir par ça. Hein. Bah d'accord. Je sais pas pourquoi j'arrive mieux à survivre en deuxième phase qu'en première phase à ce truc là. Mais là elle est plus agressive parce qu'elle court un peu là, non? Avant elle courait pas là, il me semble. Pas autant. Ouais, puis elle triche en plus, elle utilise toujours la même attaque. Let's go. Rip la méduse, je te jure. On va voir avec le reptilien maintenant. Elle s'appelle Aurelia. Et tu sais quoi, c'est un nom parfait pour une méduse. Centre de reptilien plus 10. Lui va être claqué aussi, non? Après la méduse, elle, effectivement, elle a fait office, quoi. Elle a l'air belle, l'OST, mais je l'ai pas assez vue, je t'avoue. Attention. Moi et ma pote. Elle a des gaines déjà. Ah oh oui, c'est le fouet! C'est bon, zéro dégâts, par contre. Mais il y a l'aspect fouettage. Je savais même pas hein, qu'elle avait un fouet, cette chose. Ah, oh, c'est le fouet trop bien, en plus. Va dedans ou pas? Oui. C'est tellement humiliant le coup de fouet. Oh! Fouette-moi ça! Non, pas sur elle, attends, moi, vise-moi, moi! Je force tellement. Allez, fouette-moi ça! Pas beaucoup de vie par contre, le reptilien, non? Putain, il est où? Je vois rien si tu fais ça, Reptilius.
coup de fouet dans la tête. Il nous aura pas échappé. Moi je suis mort. Mais l'in... ça fait interrompre tout le temps. N'importe quoi l'invocation. Après le reptilien, je le sens quand même moins durable. Un peu plus rapidement biodégradable. Ah, j'ai pas réussi à voir. Touche pas à mon reptilier. Touche pas au reptilier. Ah putain, il s'est retourné vers moi. C'est mieux comme ça. Je fais n'importe quoi là. Hein. Touche pas lui! On va ensemble en P2, on y va pour! Laisse-le, je te dis! Laisse-le! Voilà! Un martinet, je te jure. Et là, je fais quoi quand elle fait ça? L'autre, il va crever dans la... GG, ma gueule. Stylé en tout cas. Mais elle a tellement de vie, putain. Non mais ça c'est l'invoque, non, qu'elle ait autant de vie quand même. Direct comme ça. À sec, quoi. Bah non, mais explique-toi aussi devant les Français, là. T'as compris hein, que c'était le bon filon, ça. J'ai tenté le troisième. Alors, si on me reproche d'avoir de l'audace, oui. Effectivement. Et je vois rien. Ouch. Ouf. Le fameux. Non mais là je vois plus rien. Ah mais il reste, c'est con. Du coup je suis mort. Peut-être pas aller sous elle, quoi. Putain, c'était il y a longtemps, ça, le truc des gitans sur YouTube. Bon, j'essaye quand même une fois avec l'autre, juste pour voir. Non, avec la mimique tire pour voir. S'il me reste une possibilité d'améliorer un truc au maximum, une invocation. J'avoue que c'est soit ça, soit je me casse, là, donc bon. Je vais essayer un coup quoi. Je me sentirais sale non après avoir fait ça. Je vais pouvoir me regarder dans la glace après. Il doit être casse-couille aussi. GG pour le combat, merci. En vrai c'est rigolo par contre, ça rend un petit peu le combat plus dynamique. Elle est où déjà cette saloperie? Ah oui c'est le blob là. Le blob infâme informe. Que je trouve pas. Celui-là, ouais. Stylé. Je te vois pas en fait. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs trucs. Pardon. L'arme imitatrice. 10 000 balles. Oh, oh, comme elle est chère celle-là. Oh, 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 oh. Procès. Procès quoi. Elle est là pour casser des culs et manger du chewing-gum, et le chewing-gum n'est plus importé dans l'entre-terre. Oui. Très bien cette variante, j'aime beaucoup. Ça rafraîchit un petit peu l'expression. Eh ben allez. Qui d'autre veut y passer là? De toute façon ils vont tous... Christophe, ça me fait rire le nom. Mais ils vont tous y passer de toute façon si je les mets... Ils vont crever dans la OE ces gros bolos. Parce que la Mimiki, elle peut se heal et tout, non? C'est pas ça le vrai scandale? J'ai pris un peu trop de runes. Oui, mais je me dis que je vais en utiliser. Je vais mettre des niveaux là, non? Ah, le faucon, je l'ai vu, j'avoue que j'ai une affection pour les volatiles. Mais je pense qu'il aura pas beaucoup de vie et qu'il sera naze, non? Un niveau, let's go. Trop stylé, hein. Vraiment cool.
Je gagne littéralement rien à chaque fois. C'est où les dégâts là? Ah oui, arme. Plus 1, plus 3, plus 1. Ben mes enfants. Si on m'a dit que ce serait pour ça. Oh putain. Ciao Aurélia. 660 PV tout de même. Elle peut se heal aussi, elle peut utiliser tes consommables, tes sorts, tes armes, elle peut également faire le café et le thé, mais encore du mal avec le chocolat chaud. Post-nerf. Putain, j'avoue, là, j'ai la version diminuée. Si, je lui mets des items de buff et tout. Ah, mais je peux pas buff, non, l'arme de... Je vais regarder, parce qu'on sait jamais avec ce jeu. Vous pouvez buff le croc du Limi, on le rappelle. Ça aurait été ouf. Est-ce que je peux y mettre comme truc cheaté? Des trucs de vie, genre? Enfin, on s'en sert des trucs comme ça, là? Robustesse, je sais pas ce que c'est. Mieux vous résister à l'accumulation de la... Ok. Ok. Ah voilà ça. Mais c'est vrai que moi j'ai ça aussi. Je sais pas combien de temps ça dure cette merde mais... Je reviens pas en chemin le mimique. C'est si drôle que ça. On l'avait pas essayé une fois. Je crois que je l'avais essayé une fois et on avait vu que c'était tellement craqué que bon. Comment il va lui? Bro. Ah oui comme ça. Et il est comme moi. Bien de tête, il y va. Oh putain. Mais d'accord, la vie qu'il a. Non mais... En fait, c'est un joueur, quoi. C'est ton pote qui joue avec toi à Elden Ring. Elle joue mieux, elle connaît les attaques que je connais pas. Débile. Attention quand même. C'est débile. Non mais c'est bien par contre. Franchement. Fais la viscérale pour moi. Ah là, là. Oui, il l'a tué. Ça c'est un plaisir. C'est débilos. Non mais je trouve ça débile. Mais je trouve ça bien pour les nouveaux joueurs, tu vois. Ou pour les joueurs qui galèrent, franchement tu mets ça et puis voilà quoi. C'est cool en vrai. Après libre à toi d'utiliser mais bon. Ça me fait rire quoi, c'est tellement genre. Tellement fort que c'est débile quoi. Regarde-moi ça. Je peux pas bouger en fait. Attention parce que là c'est le Shuing Shuing. J'ai été connu pour en crever de ça. Mais il est moins violent qu'en première phase hein. Ah ouais d'accord, il est pire en fait. J'avais pas vu qu'il fallait des bouboules. C'est pas ça en plus, j'ai pas les bonnes bouboules. Ma boubouche sera jamais souillée. C'est moi, elle fait presque autant de dégâts que moi cette saloperie. J'ai quand même crevé, tu vois. La putréfaction, mon pote. Putain de dieu. Elle est insup en fait. J'avais pas capté qu'elle faisait ça. Faut vite la tuer là, mon gars. Voilà, bien. Voilà. Les cris. Une autre chose, très bien. Ah putain, c'est moi. J'ai crevé. Ah non, c'est bon. Ah, mais si. Viens me heal. Vas-y, finis le combat. Plus fort que moi, le truc. Attends, faut que je me fasse un truc de putréfaction, là. Ça m'a un peu fait paniquer, cette affaire. Fabrication d'objets. Je peux en faire 1000 en plus, non? Je sais pas, j'ai pas d'autres trucs tant qu'à faire. Puisqu'on est là-dedans. Ouais, c'est bien, ça. Très bien, je mange les deux, là. Faut pas lui jeter les trucs aussi, un truc empoisonné. Là. Voilà, des flèches en os empoisonnées. On lui met du poison. Est-ce qu'elle peut prendre le poison? Ou pas? J'ai cru dans Code Vein. Mais oui, putain. Soit on joue ensemble, soit on joue pas ensemble, quoi. Code Vein, d'ailleurs, j'ai jamais fini. Hein. Dommage, c'était rigolo. La première fois que j'ai invoqué un mimic tir, c'était face à Ricard, il l'a. Il a foncé dans la lave comme un débile et je l'ai suivi. On a descendu Ricard en 2000 chrono, c'était drôle. Étonne. Est-ce qu'elle esquive les trucs? Ouais, je sentais bien que c'est une esquiveuse. Bon, là, si elle est pas empoisonnée, c'est qu'elle peut pas. Hein. Je me demande quand elle nous touche tous les deux, c'est double heal pour elle. Elle a tous les couteaux dans le vide là. Bon,
dans un coin, aux abords du ring. Non mais là elle est même pas sur le ring qu'on est en train de la taper. Là elle est sur la chaise en train de se faire soigner par le médecin. On est en train de la taper quoi. Oh je vais crever. Mimic tire. Mimico. Eh oui. Je l'ai même pas vu partir l'attaque. Double marteau avec les mimiques. J'avoue. À l'époque où on avait le double marteau là. Non mais je pense que c'est moins fort en vrai. Parce que t'as pas l'aspect Spam de coups non. Ce qui est ouf, c'est qu'on la spam. Elle est toujours stun. Le marteau, c'est quand même un peu long. Je sais pas. J'avoue que je sais pas. Ça se trouve, ce serait tellement débile parce qu'il utilise. Je vois qu'il utilise tout le temps la compétence. Pourquoi tu cours? Quand tu cours? Arrête. Tu cours pas d'habitude. Oh, c'est la deuxième phase où tu cours. Merci. Non, mais oui, par contre, il utilise beaucoup la compétence de l'arme. Et avec le marteau, si je mets la compétence ou tu sais le salto là qui fait des dégâts absurdes. Bah en vrai. N'empêche le fight est beau avec lui. Il sert des trucs et tout. Et il est en train de manger les trucs de résistance, j'entends. Il a snacké le bâtard. Il s'est fait un petit snack. Attention elle va s'envoler là. Double lame, double mimic tir. Elle joue double lame, je joue double larme. Oula. Mais non, mais ça c'est chiant aussi là. Mais meuf, tu peux pas la romper comme ça au milieu du fight là. Attends, un peu de justice. Nous on te respecte. Il lui a lancé des couteaux là. J'ai envie de mettre des bouses dans mon inventaire qui lui jette des bouses. Tape dessus. Oh non. Du coup voilà comment MV a one try ce boss. Oui bah je... En plus vous m'avez parlé qu'il avait utilisé des sorts et tout. Donc les sorts dans ces jeux de base. Blasphemous Blade, je sais pas ce que c'est. Je veux bien te croire que c'est fort. Malaisnia. Va pas dedans, Mamikos là, si tu peux le comprendre. T'es où? Attention parce qu'elle va faire tout de suite le truc, ça se trouve. Je sais qu'elle le fait assez vite le truc donc. Mais il fait tellement de dégâts par rapport aux autres mobs, ça que je comprends pas. Ah bah voilà, pile quand j'y suis allé. Ah non. Bah. C'est celle-là? Crever là. Non ça va. Ah il y a une autre. Attends parce que là j'ai pas le temps de t'aider. Attends, tu vas me tuer. C'est ça que tu veux? Ah elle m'en fout, je me hit. Elle a un couteau dans la glotte littéralement. Mais oh, elle va me tuer à petit feu là. Mais regarde, elle a sa strat. Putain, si elle le faisait une troisième fois, j'étais dead. Elle se laisse moins quand même tabasse là. Ah oh non, encore? Bah ouais, mais attends, mais. Ouais, la P2 est quand même chiante, hein. Une gaine? Qui s'est installé petit à petit. C'est l'épée de Ricard. Ah, encore, mais elle est si forte que ça cette épée là. Parce que tout le monde voulait que je joue avec ça tout à l'heure. Je peux la tester là. Ah non, toujours pas. Ah, c'est de la foi cette chiasse. Flamme du pilar. Voler des ennemis, des PV. Non, même pas trop lente. Bah, je sais pas. Peut-être, ouais. De toute façon, on a essayé 100 000 donc. Bon, allez, les potes, j'ai envie de finir le jeu là. Si je vais ailleurs, je le finis en combien de temps le jeu là? C'est long?
J'aimerais bien le finir aujourd'hui, mais je me suis laissé emporter par le temps, là, j'avais pas vu. Je m'amusais tellement avec la mimique tir que j'avais pas vu. Un autre stream complet ? Ah putain, d'accord. J'aurais pu aller jouer ailleurs alors. Je suis pas obligé de me fader celle-là pendant tout un stream là. Quel enfer. Je la déteste en plus. Voilà. 3-4 heures au moins, d'accord. Bah surtout que j'ai pas envie de rusher quoi à la fin du jeu. On est à la fin en replay, bonne nuit l'autre Meryl. Bon en même temps faut voir à quel point elle a de la vie hein. Parce que je sais pas, tout à l'heure j'ai demandé effectivement est-ce qu'elle a plus de vie quand on invoque ou pas. Et j'ai pas vu les réponses, j'étais concentré sur le fight. Mais ça m'intéresse de le savoir. Si elle a pas plus de vie, ça montre quand même à quel point c'est débile le nombre de PV qu'elle a quoi. S'il faut lui mettre dans la tronche, même à deux, sur l'autre. Je me prends même pas, je suis même pas considéré comme le joueur, tu sais, comme l'ennemi clé. Boboline la boubouche là. Hein. Oh, on peut la stun. Je savais pas, on peut la stun quand elle fait ça. Avec la compétence j'ai l'impression. Ah oui c'est vrai, j'ai crevé avec ça. J'ai pas mis les roulades hein, je pense que c'est... D'accord. Il toi la mimic tire. J'ai envie de chialer pour toi si tu meurs. Ah, c'est de la merde. Très bien ça. Va pas dedans, Mimictiro. Va pas dedans. Résiste, t'as l'envie. Remarque, lui, des dégâts, tu sais quoi. Vas-y, défonce là. Bah, il a tué. Même ça, j'ai pas pu le faire moi-même, quoi. Il a pas tué, genre sur les deux phases en plus. Une vraie dame, bah tiens. T'as tué en gank. Elle a sa petite chaise pendant tout le combat là. Ouais bah alors si tu détruis pas la chaise, t'as une cinématique spéciale. Oh, dearest Mikola, my brother. I'm sorry. I finally met. Elle est cringe un peu par contre hein. Non. Dans ce dialogue je veux dire. C'est un jugement sévère mais bon. Ça va quoi, je suis malénia machin, c'est bon. Les mondes démotivation là. La bad ending, j'ai pété la chaise. Oui bah alors GG la mimique tire, c'est quand même mes GG. Vraiment me mettez pas des GG pour ça, non je sais pas. J'ai rien foutu littéralement. 480 000, elle donne un petit peu plus que l'autre là, que Mog. Non mais en fait il est bien ce boss, j'ai grave kiffé et tout. Je reviens sur tout ce que j'ai dit, comme quoi je l'aimerais pas, même quand je l'aurais battu et tout, elle est vraiment trop bien. Je sais même pas quoi mettre là. De toute façon, j'aurais plus besoin de rien. J'imagine que le jeu ne peut pas être plus dur que elle. C'est quoi ce délire là? C'était pas genre dans la capitale ou je ne sais plus dans quel niveau. Peut-être avant, remarque là, que j'avais vu cette fleur quelque part. On en discute ou pas là? Comment ça se passe? Non? Ok. Elle est en 4K Ultra HD celle-là. Voir, tu pouvais la cramer, l'ultime déshonneur. Comment ça s'appelle? Malenia, déesse de la putréfaction. Donc elle est tranquille dans son bled, elle a foutu la merde en Kaelid là. Elle a tout pété, et elle est tranquille chez elle quoi. En gros, si je comprends bien son lore. Même pas foutu de finir Radahn en plus là.
Où tu as trouvé cette fleur? Ouais, vas-y, ouais, je me rappelle plus. De toute façon, je l'ai déjà vu, c'est juste que je me souviens pas où c'est. On m'a dit d'aller voir ce qu'elle a, la bolos là. Je me mets en slip pour l'occasion. Elle s'en fout que j'ai tué l'autre, ok. Alors, il y a le truc de Weeb, main de Malenia, floraison, écarlate d'ivoine. Une fleur géante qui explose et propage la putréfaction. 35 de fois tout de même. A chaque fois que la fleur écarlate éclose, la putréfaction de Malenia progresse. Elle a déjà fleuri à deux reprises. À la troisième, elle atteindra véritablement le rang de déesse. Ouais, donc je l'ai buté, mais elle a gagné, c'est ça? Toujours pareil, de toute façon. Les prothèses de guerre symbolisent ses victoires. Certains disent avoir vu ses ailes apparaître lorsque l'arme fut brandie, un présage de détermination. Bon, j'imagine que ça va être plus fort ça que l'autre. J'en ai aucune idée en vrai. L'armure de la jaquette. Bonsoir. L'armure de la jaquette la plus dure à avoir de tous ces jeux là. Salut Dani. Putain, t'arrives in extremis. Merci en tout cas mon pote, fait plaisir. J'espère que tu vas bien, que t'as passé un excellent début de semaine, c'est quoi? Dans l'arène de Radahn, un peu avant le feu. Avant le combat de Malenia, d'accord, donc c'était là qu'elle avait commencé à éclore la première fois et qu'elle a tout pété. Niveau lore, elle se devait de faire éclore trois fois la fleur écarlate avant de devenir la déesse de la putréfaction, ce qu'elle fit en P2. Ok, et après je la rétame comme une merde. Alors que c'est la déesse. Un peu la honte, non? Je sais pas. Un peu cringe pour la meuf, quoi, je sais pas. J'ai pas la robe de chambre de Seigneur du Sang, là. J'avais pas vu qu'elle était là. Elle était bien et bien là, son armure, c'est juste une seule robe, rien d'autre. L'illustre patriarche de la future dynastie Mogwin ou peut-être un fou en plein délire. J'ai absolument pas lu son lore d'ailleurs sur l'âme à l'autre là. Tant pis, de toute façon je la déteste. Je vais lire son lore, hein, je la hais. Moi je dissocie pas la femme de l'artiste. Hein. C'est pas mon délire. Fais voir un petit peu la robe. Robe. La robe Stark. Il y a celle-là aussi. Il y a le noble. Non mais là forcément, c'est pas une mise en situation là. Oh! Ouais, c'est un autre standing quoi. Pas dégueu dégueu. Oh putain. Elles sont tellement huge ces têtes-là, j'avais jamais... Ah celle-là. Tiens, voilà. Ça va bien aussi avec ma foi. Allez. On l'appelait Logan Gros Chapeau car il avait un très gros chapeau. Avoir des champignons sur les mains. Des bandages immondes sinon. De toute façon, je veux juste qu'il ait des chaussures parce que ça va me stresser. De toute façon, je peux mettre n'importe quoi en vrai. Je peux mettre la meilleure armure du jeu. De toute façon, on la verra pas. Ah non, pas les sandales. Pas les Adam Sandler. Ah si, attends, quand je roule, on voit. Vite fait. Me v'là. V'là l'autre. Fais voir la compétence, ma foi, de son arme. Qui est, j'imagine, au moins un espadon. Ouais, ah non, c'est un... Bah oui, je suis con, c'est un katana. Je le savais en plus. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il n'y a même pas de garde, là. C'est pas le genre de truc où tu te coupes la main parce qu'elle glisse sur la lame dès que tu plantes quelqu'un, ça? Pas que je l'ai déjà fait ou quoi en prison? Avec un sur un? Je dis ça, c'est... Je sais pas, hein. Je vais laisser juste à côté de mon géant préféré, là. Moi, je me méfie des gens qui viennent en réunion en robe de chambre. Tu peux, ouais, je pense. Bah après, en télétravail... Du pattern de whip, ça. Le fameux. Bah, genre insupportable en PVP, ça. Remarque, t'as le temps de le voir venir. Ah ouais, c'est vraiment le pattern complet en plus. Aucun respect. C'est quoi ce délire? J'espère au moins que ça fait pas de dégâts. Ce qui doit être le cas sans doute. Qu'est-ce que ça demande de la dex, j'imagine? Ça tombe bien, j'en ai 1000 milliards. Allez, je peux améliorer ça, on s'en fout de toute façon. Je suis plus à ça près, non?
Ah putain. Tu les vends. Ah salaud, il en a plus. Putain, il me force à retourner à la maison là. C'est vrai que c'est sur une prothèse. D'ailleurs, la PNJ là, à qui j'ai donné une prothèse, j'ai jamais entendu parler de celle-là. Elle a pris ma prothèse et elle s'est barrée avec. Je sais même pas ce qu'elle est devenue. Tu vas me dire qu'il n'y a plus personne à tuer, non ? Oh putain, on lui parlera la prochaine fois. Il est 23h43, les potes, faut que j'arrête de faire des nuits pas complètes là. Vous me laissez tout faire de toute façon, vous me permettez tout. Je sais même pas ce que ça a rajouté, ce que j'ai donné là. Je sais pas. Les trucs de craft, j'imagine. Non, attends, j'ai 4. J'ai pas 4, genre. C'est une blague. J'ai 1, 2.